Vous allez bien? Salut Hugo, est-ce que tu vas bien aussi? Salut, ça va? Ben mec, ça va carrément bien, super bien. On est parti du coup ce soir, nouveau live. On va bosser sur la guerre suivie, on a plein de choses à faire. Hugo a bossé déjà, je ne sais pas combien de temps. T'as bossé combien de temps hors live? 5 minutes. Oh ben ça va, tu vois, ok, vas-y, tu me dis, t'as nourri tous les animaux et tout. Mais j'ai nourri tout le monde, je sais pas, 15-20 minutes. Ah ok. Bon du coup, yo le chat, salut tout le monde les gars. J'espère que vous avez passé une bonne journée, merci d'avoir vu la vidéo d'hier. Hier, on a fait plein de choses, on a loué une batteuse, alors on se l'est pas acheté. Mais peut-être qu'on se l'achètera ce soir, je sais pas si l'argent va être bon ou quoi, mais on va essayer de voir. T'inquiète. Ah, tu penses? Bah oui, large. Ok, bah ok, vas-y, ok. Bon, salut le chat, salut tout le monde, salut Doudou, salut Tom, salut... Pourquoi j'ai un câble? J'ai un tracteur là, voilà, il y a des trucs qui traînent partout. Salut le boss, salut Starbush, merci beaucoup Pazerti, salut Raptor, salut William, salut Also, oui tu bug, non je ne bug pas, tout va bien. Hello les jeunes agriculteurs, salut ça va bien, ça va super bien, salut Mathieu, je m'inquiète, comment ça va? Non, mais oui, vous inquiétez pour moi, mais ça vous inquiétez pas, je vais bien. Aujourd'hui les gars, je suis allé chez Newland, j'ai fait plein de petits trucs sympas parce que rendez-vous mercredi prochain à 16h en live sur YouTube. Vous verrez, il y aura un le live Aberra va commencer. Ah mais là on n'est pas avec Germain là, mais ouais le live Aberra va commencer. Ouais les gars, du coup demain, mercredi prochain, gros live avec Stavo, bah oui c'est moi. Avec Germain et Zero, mais normalement il y aura quand même plus moi et Germain. On sera chez Newland, dans le concessionnaire Newland. Et vous verrez, ça va être bien sympa, c'est dans pile une semaine en fait, une semaine et un jour, voilà. Salut, tu vas bien? Je viens d'arriver sur ton live, et salut à toi, boss, ça va carrément bien. Ok, bon. Hugo, est-ce qu'on serait pas prêt à aller sur la partie multijoueur? On va sur la partie. Oula, il y a une partie qui s'appelle Starview, Mister Ballon, Energy 5. Carrément. Allez, on rejoint. Ah c'est pour quand le coiffeur? Vous êtes vraiment des bâtards, hein. Mais c'est vendredi. C'est le 11, je crois. Mais oui, mais les amis, il est en retard le coiffeur, c'est pas ma faute. Salut Kossad, salut. Bah, salut à toi. C'est aberrant tes vidéos, salut. Ah ouais, carrément, elles sont aberrantes. Elles sont pas miteuses comme... Salut Bertrand, ça commence quand maintenant? Bon, tu vas acheter un Tatra miteux. Mais je sais pas qu'est-ce qu'on prend. Je sais pas qu'est-ce qu'on prend comme tracteur. On va regarder. Enfin, comme tracteur, comme camion. Alors déjà, je suis sur la partie. Hugo. Déjà, Hugo. Ouais. Bam. Attendez, je me mets mes réglages de live correctement. Bon, on peut... Hugo, move-nous dans live parce que je sens qu'il y a des gens qui vont nous rejoindre. Oral de stage demain. Ah ok les gars. Eh bien, bon oral de stage à vous. Bon, alors en gros, ce qu'on a fait hier... en vidéo, c'est que du coup, on a loué une batteuse qui est encore louée d'ailleurs. Je sais pas si on va continuer à la louer ou pas. Ah bah oui, il faut terminer. Ok. Attends, mais là, il passe pas là. On a moissonné ce champ qui est juste ici. On a tout vendu, donc on a 395 000 euros. Et je vais la ramener. Mais non, t'inquiète, elle passe normalement. Ah ouais, d'accord, quand même. Là, elle passe. Attends, ah putain. Oh là là. Non, attends, soulève-moi. Attends, hein. Attends, vas-y. Si je démarre, ça passe. Enlève le caisson. Ah oui, merde, c'est le caisson qui fait chier. Ouais, c'est le caisson. Parce que j'ai réussi à passer dans un sens. Et il faut enlever lui. Mais il faut enlever l'autre aussi. L'autre quoi? Bah, le feint avec ce qui est derrière là. Vas-y. Quoi, tu passes pas? Mais mec, je passe. Non, mais comment tu veux que je passe dans le. Bah, non, mais il faut enlever le feint. Tu comprends pas? Mais non, ah, mais tu vas aller là toi? Ah, tu vas aller ici? Mais oui. Ah, je crois qu'on allait dans le champ où est-ce qu'il y a derrière là, parce qu'il y a la batteuse. Non, attends, par contre, je quitte comme je bug de trop. Attends, je quitte ce genre là. Vas-y. Allez, let's go. Du coup, bah, c'est du colza partout ou il y a de tout? Ah non, c'est du colza partout. C'est du colza partout. Hein, 37, ouais, 41, 42, et il y a le 31 aussi à faire. Ah ouais, non, mais là, les gars, là, mec, faut qu'on achète. Bah, faut tout acheter en fait. Faut qu'on achète des caissons, faut qu'on achète de tout. Salut tout le monde, les gars, salut, je suis Rodier sur Lyon. GG à vous. Merci Pierre, merci beaucoup. Ok, bon, bah, lui, du coup, il est parti. Ça commence à battre. Du coup, t'as nourri tous les animaux, Hugo là? Ouais, bah maintenant ils êtes dans le vide comme j'ai avancé le temps. Limousine, ah oui c'est vide. Ah ouais c'est vide. Merci beaucoup Mélanie pour tes 2,79$ canadiens. Non, 2,79$ canadiens, ouais c'est ça. Canadien. Bonjour les abonnés, où tu dois... Attends, les abonnés, as-tu le droit de te rejoindre? Ah non, du coup non, vous pouvez pas me rejoindre les gars. C'est une partie qu'avec la team, enfin qu'avec Hugo. Donc voilà. Salut tout le monde en fait. Framing Smatter 20. Non, il y a un présent quoi faire. Vous êtes vraiment méchant. Voilà. Là, en même temps, je devais y aller, mais j'ai pas pris rendez-vous parce qu'il était fermé, je sais pas quoi. J'ai fait, bon, vas-y, c'est bon. Et je l'ai appelé et je dis, ouais, c'est quand qu'il y a une place de dispo? Et ben en fait, elle me dit que c'était ben, vendredi prochain. Je me suis dit, ouais, début de semaine. Ben non, une semaine plus tard. Donc voilà. Alors, du coup, est-ce qu'on refait des rations ou pas, Hugo?
Bah ouais, ça va. Ouais. Faut qu'on refasse des rations et il va falloir qu'on s'achète le camion. Ah mais du coup il est là. Alors le camion est là, mais en location. Donc il est pas à nous pour l'instant. Mmh. Et du coup je sais pas si on se le prend parce que c'est quand même un Tatra du coup. C'est une marque moyennement bien, mais bon. Je sais pas, t'en penses quoi Hugo? Ouais non, moi je suis pas trop fan des camions. Ah ouais, vraiment? Du coup genre je l'ai mis en miniature. Non, si j'ai envie de conduire un camion, je vais sur votre truc terminé. Ah d'accord. Du coup je laisse là. Bah attends, bah je vais le poser du coup pour le champ. Après okay, un camion okay. Pour les citernes, ouais là ça fait réaliste, mais pas un camion pour le caisson, non. Bah nous par chez nous c'est comme ça hein. Ouais mais nous c'est rare quand tu vas avoir un camion avec un porte-caisson. Nous c'est très souvent qu'il y a quand même. Bah par chez nous c'est comme ça ouais. Hop là. Mais après peut-être parce que vous avez des petits champs, vous avez des petites remorques. Bah enfin le caisson t'en mets quand même hein. Enfin mais tu mets pas 20 tonnes mais je veux dire t'en mets quand même pas mal quoi. Vas-y, bah du coup je vais le délouer hein, vu qu'il sert à rien. Mais du coup si vous voulez les gars il est sur Star Mode hein, si vous voulez le camion. J'ai mis plein de modes donc on va s'acheter cette fameuse antenne Hugo. Antenne veut qu'on se l'achète parce que je la veux. Alors je vais juste la délouer, ça va ton système. Mais du coup le chat voulait qu'on se l'achète ou pas le... Enfin le camion, oula j'ai ok. Est-ce que le camion on se le prend ou pas? Le chat, prends un man. Oh mais non parce que le man, bah non pas possible, attendez on va juste délouer. Objet loué, du coup non, même pas il est loué. J'avais carrément. Ah mais non, le caisson c'est même pas le nôtre en plus. J'en avais acheté un, ok. Bon, mais du coup, on va revenir dans notre ferme. On a combien d'argent? Non. Ouais, il y a quand même beaucoup de noms donc on va pas se le prendre, ok. Ok, vous écoutez du coup. La mélangeuse, on va l'amener. Ouais. Ah, je montais sur la bûche. Moi, il faut suivre, ouais. Oui, non, ok, d'accord. Bon, est-ce qu'on irait pas la repeindre la mélangeuse? Parce qu'elle est quand même dégueulasse, hein, cette mélangeuse. C'est trop bien fait, par contre, comment c'est sali. Elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse, elle est pas lui, c'est usé. Ouais, elle est usée. Mais c'est vraiment comme ça en vrai? À ce point-là? Ah, là, t'as un bol? Ouais. Oh, mec, on a plus d'herbe. Non, mais je sais, c'est pour ça que j'ai dit, je m'en vais faucher. J'étais de la bétaillère, je m'en vais faucher. Ah ouais, elle est fauchée de fou. Mec, on a vraiment plus rien. Attends, mais là c'est la crise. Attends. Attends, déjà, je vais amener une benne au champ. Donc, on va prendre le petit T7HD, là, il va faire plaisir. T'as le 8S? T'as le 7000? Le 7000 il est au porte-caisson. Ah, il est au champ de colza. Oula mon grand. Laisse passer le roi. Pardon. Oula le mec a la grosse tête. Le roi ou le... J'ai dit un truc. Hein? Comment ça? Bah tu vois elle avait le joker. Oui, dans les rangs. Mais le truc fallait que je fasse. Attends, il faut récupérer le porte-caisson, il est où le porte-caisson? Ah il est rangé dans le bâtiment. Attends, excuse-moi. Et là, je suis là. T'inquiète. Aïe. Casser le poulet. Par contre, t'as mis que 6 vaches là-dedans dans la bétaillère comme ça? Bah ouais, mais il faut aller vendre le reste à mon avis. Attends, mais c'est très mal fait cette bétaillère. Elle est pas très mal faite. Bah j'en ai une plus petite, je mets 6 vaches dedans. Ouais, mais je sais, mais en fait, je sais pas c'est qui l'a fait. C'est Simlevé en plus. Ouais, je sais pas. Stavo, tu vois. Attends, prends le camion que j'ai créé sur Star Mode. Ouais, bah si vous voulez, j'irai le checker. Bon, du coup, Flamme, je prends la mot pu, mec. D'ailleurs, en groupe de fois, je sais pas, il y en a qui sont sortis en mode. Hein. Donc, il y a les Fela qui sont sortis. Donc, si vous les voulez, bah, pareil, sur Star Mode, les gars. Alors, on va poser la benne là. On va peut-être changer de classe aussi. Attention. Ah oui, parce que du coup, pareil, il y a des classes sorties. Attends, il y a tellement de trucs. Attends, mec, Hugo, est-ce que je mets l'antenne? Si tu veux, ouais. Elle coûte combien? Elle coûte 1000. Ah oui. Elle coûte 1000 et elle rapporte 480. Alors, la vraie question, si on la met où? Parce que le mec a une antenne dans sa maison, ça fait un peu beaucoup. Bah non, comme c'est une antenne 4G. Bah ouais, mais tu mets pas une antenne dans ta cour. Pourquoi pas? Bah mec, tout est dans ta cour. Ah bah non, on va la mettre là. Là, y'a rien là. On va la mettre là. Antenne. Mais oui, regarde, on va la mettre... Oula, ceux qui demandent du Rocket League, vous avez jamais vu de ces stars jouer à Rocket League. Hein. Comment ça? Bah je sais pas, y'en a qui veulent que tu joues à Rocket League. Mais... Rocket League, en vrai... j'étais nul, mais ça va quoi. Non, voilà. Bah non, mais c'est vrai. Attends. Décoration, attends, je mets une petite déco là, je mets des vrais grillages. Des vrais grillages là. Tac, 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 tac. Est-ce que je ferme? Comment on fait pour fermer là? On va laisser comme ça? Ou on va faire comme ça? Tac. Vous me direz les gars ce que vous en pensez de ma déco là. Toujours un petit peu bizarre. Et là, j'ai envie de mettre des buissons parce que je me dis c'est joli. Voilà. Non. Donc, pas le choix. Merci beaucoup Benjamin pour ton sub. Merci mec. Voilà. On a perdu un peu de sous, mais au moins l'antenne est là. Tu la vois l'antenne ou pas de là-bas? Le chat, une petite note sur 20. Prends un T7HD s'il te plaît. Bah il est là, bah, je viens de le prendre. Donc là t'arrives, bonjour, je viens récupérer mon petite antenne. Et du coup t'as l'antenne qui est juste ici.
avec ce qu'elle rapporte. Et ah, là, tu l'as mis là? Bah, je me dis que c'est bien là. Oh, on va pas monter dessus. Ah oui, d'accord. Attendez. Allez, on monte. Et du coup, comment c'est une antenne? Ah ouais, c'est comme ça. C'est des bouts de trucs. Ok. Bon, des bref. Bouts de trucs. Des bouts de trucs. 10 sur 20, 17. Mais vous êtes. Ah, ok. Ah, par contre, je vais être plein là. Merde. Ah, je vais être plein. Hugo. Je vais être plein. Attends, je vais vider. Tu fais quoi là? T'es parti faucher? Ouais. Vas-y, ok. Vas-y, vas-y. Bienvenue aux 2600 personnes, les gars. J'espère que ça va en tout cas. Que vous allez bien. Je crois que c'est les vacances pour. Dites-moi, qui c'est qui est en vacances dans le chat là? Mais, attends, je vais faire un sondage. Attendez, sondage. Sondage vacances. Alors, attendez. Vacances. Pas vacances. Voilà. C'est parti. Allez voter. Let's go. Oui, au fait, les gars, il y a France 3 qui va venir. Enfin, en gros, je passe sur France 3 le vendredi 18. Donc voilà, si vous voulez regarder France 3, ils viennent chez moi le mercredi. En plus, il y aura Zero et Germain. Donc, et puis ça sera pendant le live. Du coup, rendez-vous vraiment mercredi prochain, les amis. Gros live, hein. Mais mettez-vous en rendez-vous parce que mercredi à 16h, énorme live en direct d'une concession. Ça n'a jamais été fait en direct de chez Nioland, les amis. On va tester du matériel, on va faire du farming aussi. Bref, il y a plein de choses de prévues, mais vous verrez, ça va vraiment être top. J'ai le Covid, let's go. Ah bah merde. Ah si, il y a quand même la moitié qui sont en vacances, quand même. Hein. Méga vacances de fou. Bah, du coup, mercredi prochain, soyez là, vous n'avez pas le choix. Voilà. Donc dans le chat, qui sera là? Vraiment, j'espère que vous serez là parce que c'est un gros truc. Et voilà, ça va être sympa. On va rouler. Et ah, pas de soucis, la peine. Remboursement du Valtra. Ah oui, d'accord. On se le rembourse, le Valtra, du coup, Hugo? Oh, pour 10 000 euros. Bah ouais. Ouais. Que dans une semaine. Ouais. Bande de feignants. Comment ça, bande de feignants? Bah, c'est les vacances, quoi. Moi. Ah, là, oui, là je suis content. Là. Vraiment, en vrai, j'espère que ça va être cool parce que... Bon, en vrai, c'est des lives que genre c'est quand même grave bien à faire quoi. C'est des trucs que tu sors de chez toi. Là, je sais pas comment je vais me débrouiller. Ah, mais ça rebug. C'est vraiment cette batteuse, elle bug, Hugo. Je peux pas mettre l'ouvrier. Alors, Claude, j'ai réussi. Non. Donc, mais tu peux mettre l'ouvrier à la case. Attends, je sais même pas si le mode ça va marcher aussi. Ça serait bien que tu mettes la batteuse, enfin l'ouvrier à la case parce que. Non, mais je sais, j'entends. Vas-y. J'essaie de la casser, elle est pleine. Comment ça? La classe, elle est pleine. Ah, encore? Faut que j'aille la vider. Oh là là. Ouais. Non, pas la case, la classe. Oui, j'arrive. Je réglais le son. Moi aussi, ça marche. Attendez. T'arrives pas? Oh non. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai envie de dire un truc. J'ai oublié que c'est quand que tu es au centre de la grille. C'est du 26 au 27 avril. Avril, n'importe quoi. Février. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir. Non, avril. Ma voix elle est bizarre là. Ah, c'est bon. Ah, alors, ouais. Je monte dans la batteuse. Il y a quand même 9000. Là, on récolte beaucoup, Hugo. Hein. Là, la thune qu'on va avoir, regardez-moi cette batteuse, mec, elle est insane. J'avoue qu'en vrai, les classes, c'est quand même stylé. Hein. New Holland, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que classe, c'est quand même de la gueule. Hein. Ouais, donc classe, ils ont vraiment fait fort aussi. Meilleure boss bat du monde, non? Bah, elles sont bien. En termes de design, après, je sais pas ce que ça vaut au champ, mais. J'ai cru comprendre que ce n'était pas ouf, mais voilà. On pourra venir te voir à Agri-Montauban. En vrai, si vous êtes pas 40, je pense que oui, tu vois. Mais en vrai, je sais pas, est-ce qu'ils veulent fermer l'entrée? Enfin, en gros, on va le faire devant l'entrée. Donc je sais pas trop, les gars, comment ça va se passer. Mais normalement, je pense que c'est pas censé être avec le public. Mais on n'a pas pris en compte qu'il y avait peut-être des abonnés qui viendraient. Donc oui, c'est vrai qu'on est un peu bête. Faut que je le dise. Mais ouais. Allez, let's go. Batteuse repart. Du coup, on fait quoi, Hugo? Ça se passe comment au niveau des usines? Il faut qu'on s'occupe des usines ou qu'on aille vendre des trucs ou pas? Pour l'instant, non. Y a rien à aller voir là? Ah, mais du coup, on a plus de farine. Oui. Et mais comment on fait? Ah, comment on fait? Il faut attendre de récolter du blé, c'est tout. Mais on a même pas de blé en plus en stock. Ah bah non. On a de l'huile de colza qui va se... Ah bah ça vient de s'actualiser, y'a plus rien. On a pratiquement plus d'huile. On a... Ah non, en fait non, c'est même pas l'huile, c'est... D'accord, en fait non, ça produit rien. Il y a de la laine par contre de... T'as amené la laine là-haut ou pas, Hugo? Oui. Ah ouais, d'accord, c'est pour ça. Pain, y a plus rien, et farine, y a plus rien non plus. Donc là, y a aucune usine qui bosse, enfin qui travaille. Donc voilà, insane, ça va trop bien. Et là, c'est pareil, y a... Ah si, ils disent qu'on a 819 de pain. Mais pourquoi ça apparaît pas? Il faut attendre que ce soit 1000. Ah, ça tu penses? Ok. Ouais. Et là, le tissu se crée tranquillement, donc écoute, c'est parfait. On va juste se mettre comme ça, comme non, ça. Mec, c'est dit qu'on fasse un achat, là? J'en ai marre, mais j'en ai une petite barre de coupe de la case. Mais on change de barre de coupe de la case. Tu vas acheter une grosse barre de coupe de case? Ah ouais, bah oui, mais.
Bah écoute. Une 18 mètres 20, un guet-pomme ou quoi d'autre. Il y a une 12 mètres qu'on peut prendre, mais 12 mètres, j'ai peur qu'elle soit trop grande. Hein. Mais non, bah déjà, en regarde la classe, elle a une grosse barre de coupe et elle a 200 choux moins que la case. Donc tu veux qu'on prenne la Terraflex 3050. Le chat, vous en pensez quoi? Pourquoi tu gardes le Valmet? C'est sympa. Si tu veux, on prend la plus grosse barre de coupe, hein, si tu veux. Bah, 12 mètres, là, mais pas grave. On prend 12 mètres. Je l'achète, je vais la chercher. Le chat. Bah, ouais, le chat, vas-y, dis oui. Vas-y, puis on va la chercher. Vas-y, je l'ai acheté, mec. Il n'y a plus le choix maintenant, tu l'as acheté. Ouais, ok. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas de l'épandage à faire par hasard ou du ressemi? Oh oui. Allez, let's go. On l'a vu des deux. Attends, parce que ça, on va. Merde. Attends, mais je veux ouvrir les portes. Ouvre les portes. Ok, merci. Voilà. Épandage avec le John Deere. On va faire comme ça. Avec le JD. J'espère que le JD. Par contre, vends la barre de coupe aussi. Vends le chariot de barre de coupe, on rachète un plus tard. Ok. Ah ouais, quand même. Ah, attends. Ah bah. Je pense pas que. Donc, barre de coupe, hein. Je vends la 3000. Donc, celle-là. Bah, c'est pas vendu. Tu l'as encore. Elle a encore accroché. Elle a 159 mois. J'ai dit le chariot barre de coupe. Ah, et mais l'ancienne barre de coupe aussi. Ah oui, l'ancienne barre de coupe, j'ai directement la prendre là-bas. Ok, vas-y, vas-y. Et du coup, chariot, oui. Remorque. Attends, mais en location, on a encore les barres de coupe. Non, on a plus rien. On a plus de barre de coupe parce qu'on est seul. Et l'autre chariot. Non, chariot. Ok, 3000 balles avec ça. Ouais, avec ça, je pourrais te payer un dommage. Mais sinon, je vais aller faire avec le T7HD l'épandage, non? Je sais pas. Mais dans quoi je suis plus beau. Mais qui a rangé ça comme ça dans le bâtiment? Regarde, on peut même pas sortir du bâtiment. Ah. Putain. Vendre. Allez, ça dégage ça. Pauvre minot. Merci. Ok. Allez. Ah, j'ai un petit souci. Ah non, c'est bon. Vas-y, va vendre. Merde la masse. Elle penche un petit peu, non? Pourquoi ceux qui viennent d'arriver, les gars? Fantôme Valtra. Mais non, mais Valtra, c'est sympa. Ah, c'est sympa. Ouais. Y'a quoi? Bon, le Valtra. C'est quand même sympa. Lequel? Bah, tous. Non, le Valmet. Le Valmet, il est pas fou, mais. Ok, là on est bon, on active, on va remplir la queue. Déjà, est-ce qu'il y en a du lisier? C'est la grande question aussi. Ah oui, mais je crois que les deux encombres sont quasiment pleins. Ah ouais. Alors attends, hop, on remplit ça. Il restait quoi à faire, les gars? Le chat, est-ce que vous vous rappelez exactement ce qu'on pouvait faire? Parce que là, il faut qu'on s'occupe de nos animaux, il y a du fauchage à faire, mais c'est l'ouvrier qui fauche. Niveau de l'endeneur, est-ce qu'on a un endeneur qui est potable ou on en prend mieux? Je sais pas ce qu'on a déjà. On va dire un cas de toupie. Ah ouais, mais il y a le fella, moi je prends les nouveaux fella, comme ça, hop. L'endeneur, mais l'endeneur est plus petit. Sérieux? Bah attends, oui. Là actuellement, celui qu'on a, il fait 14 mètres. Ah, non, 14 mètres 7. Et si on en prend un. Ah ouais, 14 mètres. Ça a bugué. Ah, le fella en 4 topi, d'accord. Je ouais, mais en fait, c'est pareil, c'est les mêmes. Attends, 77 000. Ouais, ils sont même plus chers, donc c'est mort. C'est mort, c'est mort. Ok, bon, bah dommage. Allez, je vais épandre là-haut, du coup, dans le champ. Bah ouais, si tu veux semer, attends quand même. Que la moisson soit terminée. Ah ouais. Normalement, les vignes, ils produisent à fond. Ouais, mais t'imagines, le problème, c'est qu'on va perdre trop de temps. Bah non, imagine, là, il faut qu'on moissonne tous les champs, il faut qu'on ressème tous les champs. Mais non, on s'en ressemble, on accélère le temps pour que les usines produisent, pour qu'on s'achète barre de coupe, moissonneuse et tout ça. Ouais. Ça va y bouger. Attends, on va passer par là. Oui, mais comment on fait du blé? On n'en fait pas, ça va attendre. Ah ok, d'accord. Acheter un télescopique. Bon, attendez les gars, on va regarder. Mais le télescopique, on a déjà un. Mais je voulais le changer pour en prendre un peu mieux. Mais au final. Ah, c'est pour ça. Au final, vas-y, c'est bon. Travaillez-vous, les gars. Allez, elle est stylée, la classe. Ouais, mais la classe, elle est pas encore à nous. Donc, bon, t'inquiète, vas-y. T'inquiète, bientôt. J'arrive voir l'ensemble, Hugo, par contre, hein, parce que j'ai envie de voir ce que ça donne. Oh, bon, moi, je peux dire que là, du début de chantier, là. Oh, il galère à avancer, le gros. Je suis à fond. Allez, accélère. Oh, le JD. Mais le JD, il est moteur au max ou pas? Oui. Il est moteur max. Ouais, mais le JD, on va le changer alors. Ouais, mais c'est plus petit. Ah, mais faut qu'on prenne un JD plus gros là. Vraiment, on va le faire. Oui, on va le faire. Pourquoi t'as pris aussi le John Deere aussi? Bah, parce que tu l'es sympa. D'accord. Ouais, mais peut-être qu'il est. Ouais, c'est vrai que. Merci, Mal, pour tes 1 France Suisse. Ouais, c'est ça, 1 France Suisse, il me semble. CHF, c'est 1 France Suisse. Alors, on active, on baisse. Tu peux lire une vidéo, s'il te plaît. J'arrive. Je mets juste l'ouvrier. Normalement, il ravitaille dans la cuve ou pas? Non, attends. Je fais qu'il ravitaille dans la cuve, comme ça c'est fait. Un jour, un mois, nanana. Graines, non. Lisier dans la grange à vache. Voilà. Alors, Hugo, je suis là. Il faut que je vienne avec quoi là? Le T7?
Non, le massé. Ah, le massé. Le massé, il est là. Mais ouais, je pense que la classe est aussi pleine. Hein. Oh, mec, avec la barre de coupe, ça va être vachement mieux. Oh, mais dans 10 minutes, on a fini les champs. Hein. Ah, mais là, c'est beaucoup plus gros là. Là, on a du 12 mètres. Ah, ouais, mais là, on est trop bien. On a 5, 6 mois quasiment. Ouais, mais il va quand même falloir qu'on change de batteuse, hein, parce que. Bon, le non, chat, ça va être mieux. J'ai des à 11. Ouais, mais est-ce que on garde cette batteuse là au final, vu qu'on a quand même la barre de coupe qui va et ça fonctionne, ou est-ce que quand même on changera de batteuse pour une nouvelle classe, enfin pour une nouvelle case là. Quand on aura acheté la classe, bien sûr. Parce qu'il y a encore la classe à s'acheter avant. Celle-là, je la trouve pas si nulle, hein. Regarde, elle enchaîne. Hein. Mais elle est bien, mais celle-là, avec le nombre de parcelles qu'elle a fait, celle-là. Tu as dit que tu passais quand sur RTS Info? Oh, alors là, les gars, j'ai même plus l'info quand je passe sur la télé. Les gars, j'avoue, je passe sur la télé suisse, j'avais oublié. Mais ouais. Et je passe sur France 2 à ce qu'il paierait aussi, en plus de France 3, parce que Marc, il a parlé de nous. Donc je sais pas s'ils vont prendre des trucs de nous, je sais pas trop. Vas-y, vide, impeccable. Du coup, voilà. Oui. Ok, on la changera. Je suis en train de regarder les autres lives. Je suis. Ah, j'ai pas vu, mais je suis quelque chose. En tout cas, les gars, je voulais vous remercier par rapport au live des 3 fermes de la semaine dernière. Enfin, de hier. Non, attends. De avant-hier. C'était la folie. Il y avait tellement de. On a fait plus de 6000 personnes, je crois, pratiquement. Enfin, en haut, on était presque à 6000. C'est fou, hein, Laurence, ça vous a... la rediff a fait 70 000 vues. Et alors que la vidéo, elle a fait 50 000. C'est. J'ai fait. Ah, d'accord, super. En même temps, vous êtes tellement. Quoi? La classe. Oh, elle est pleine. Mais mec, c'est fou comment tout est plein là-dedans. Alors, rendez compte tout ce qu'on va récolter. Même le bonhomme. Mec, hein, on va se faire de la thune, Hugo. Bah, c'est prévu pour. Mais mec, on va avoir eu de la thune, mon gars. Achète une X9. C'est vrai qu'une X9, ça pourrait aussi le faire, Hugo. Au final. Ouais, mais une X9, c'est vu et revu. Bah, ça, c'est vu et revu aussi. Mais quoi, une Trion. Une Lexion. Ouais, bah, en vrai, on les connaît, hein. Vacances, bah, on a pas de Trion. Par contre, je vais regarder quand même avec le John Deere. Le JD, parce que là on a quoi actuellement comme JD? On a un 6R, merci. 6R 233. Alors, Nick et vous, merci la copine de Stardew. tu l'as encore la case? Je suis arrivé. 6R, du coup, on a quoi là? On a pas un 6R? On a quoi nous? Bah, si on a un 6R. Non, un 6R. Ah, mais c'est un mode, c'est pour ouais. Ça. On a lui. Salut, go, vacances vendredi, oui, merci à la copine de Starve. Starve, huile de colza. Ah, mais oui, Hugo. Oh, Hugo, on va être riche. Bah oui, c'est pour ça. Mais pour moi, il y avait pas d'huile qui se passait en fait là. Ah, mais non, mais je croyais que moi, t'avais de l'huile. Ah, c'est pour ça qu'il voulait absolument faire du blé. Ok, c'est Mufé l'ouvrier, il est abruti ou quoi? Je pensais dans la petite canne qui t'allait comprendre. Mais attends. Hop là. Tiens. Merci la copine de Starve. Ta vie, elle est gentille. Vacances vendredi, salut Star Mode, est-ce que Star Mode est sur FS19? Non, par contre, je vous le dis, hein, Star Mode, ça va évoluer comme jamais. J'ai envie de vous teaser, mais je peux pas, parce que ça teaserait tout, je veux garder le suspense. Mais le prochain site là qui va arriver va être une dinguerie. Vraiment, même moi, je suis choqué du site. Je le regarde, je fais, ça c'est nous, ça c'est nous. Vous avez vu la version, là vous avez vu le site comment il est, hein, il est tout moche, enfin, niveau design, les amis, il y a mieux, tu vois, il y a largement mieux. Mais là, le petit truc, tous les modes sur Star Mode, vraiment vous y allez. Il y aura pas que ça en plus, il y aura de tout. Le réservoir est vide. Ah, hein? Ah ouais, d'accord qu'il a vidé. Par contre, c'est stylé. Ah, mais il a vidé. Ouais, il a vidé. Il a vidé. Crever. Mais il a vidé quelle cuve du coup? Attends, mais il a vidé quelle cuve? Il a vidé la cuve. La... Ah, lisier c'est vide. Ah ouais, par contre, il y a 100 000 dans le train. Il y a 100 000. Bah, attends, je vais mettre ravitaillement l'autre alors. Les amis, il y a 100 000 dans l'autre. Faut qu'on la vide, hein, parce qu'elle est, pleine. Sinon, faut qu'on mette une cuve à lisier. J'y viens de penser. Une cuve à lisier? Bah oui. Hein? Une. Enfin, c'est un trou à lisier, là. Un trou à lisier. Attends, on se va le mettre. On va se rembourser. Elle va le mettre. Pourquoi je le vends pas? On le laisse sur le toit ou on le vend? On le laisse sur le toit. Oui, mais on récupère la thune, hein. Moi, je veux de la thune, mec. Parce qu'on va jamais s'en servir. Ah, attends, comment il vaut si on le vend, là? Le Valmé, P. Le Valmé. Est-ce qu'on le vend en prix de vente ou prix d'achat? Mec, il est pas con. Hein. Merci beaucoup, nous à Paris pour tes 2 euros. On le vend 24 000, donc allez, 25 000. Donc, je vais aller dans l'autre ferme, Hugo. Mmh. Hop, autre ferme. Je vais là. Et je fais que Bastien, donc Hugo. Donc Bastien, non. Que moi. Hop, je transfère 25 000 balles. Hugo, tu es pris? Touk, voilà, c'est bon. Oui.
On a l'argent du Valmé, mec. Comme ça, c'est fait. Alors, la faucheuse, c'est terminé. Par contre, il faut que je remette la... Hello, ok, là. J'ai envie de te donner 500 dollars. Non, mais hein, là, les gars, vous dites, j'ai envie. Mais faites-le. Non, après, vous êtes dans la merde. Après, je vous fais des messages. Oh, regarde, j'ai encore reçu une lettre d'un abonné aujourd'hui. Vous êtes nombreux, les gars, à m'envoyer des lettres par la poste. Donc, du coup, c'est cool. Heureusement, il y a les bons et les mauvais. Non, je rigole. Il y a les bons qui veulent que je leur réponde. Et du coup, ils mettent une deuxième lettre avec directement l'autre timbre. Du coup, trop bien. J'ai juste à répondre. Je mets dans la boîte aux lettres. C'est parti, c'est payé. Hop là. Et là, qu'ils disent réponds-moi et tout par truc, par mail de ci et ça. Et je fais oh, flemme. Voilà. Du coup, si je voulais envoyer un petit mail. Une petite lettre, les amis. L'adresse, c'est. Vous la cherchez. Si vous la trouvez, tant mieux. Si vous la trouvez pas, tant pis. Alors. Il y avait des poules en dehors de l'enclos, Hugo. Les coquines. Vous en échappez. Les coquines, qui dit. Là là. Attends, je vais poser la SMI là. Je vais la mettre sur le côté. Mélissa, que de la gueule. Ouais, j'avoue, que de la gueule. En fait, t'as des palettes de tissu dedans. Oh, tu as cherché les palettes de tissu en même temps. Il y a des palettes de tissu dedans. Ah ouais. Ouais, mais il y a des palettes de laine aussi. Attends, mais là, il faut qu'on s'occupe des animaux avant. Parce que là ils meurent tous, mec. Bah vas-y, hein. Comme moi, je suis en train de battre. Elle était arrêtée, la classe, là. Elle travaillait plus. Ah, tu veux le mettre dans l'autre champ. Ouais. Elle a fini. Tu penses qu'on va remplir les deux bennes? La mopu, si elle est pleine. Je sais pas en vrai, la mopu elle a combien? Ah attends, j'ai mis un mode, Hugo. J'ai mis un mode qui permet d'avoir plus d'infos. C'est dans quoi? Ah, je l'ai pas. Des paramètres de jeu supplémentaires. Attends. Bah oui, mais je l'ai pas activé le mode. Si. Moi je peux enlever l'HUD, je peux tout enlever. Et comment on fait? C'est quoi la touche pour l'afficher le mode? Alors, c'est menu échappe, mon grand. Échappe. Tu vas tout en bas et c'est en dessous de l'engrenage. Il me semble que c'est celui-là. Gameplay, ça. Profondeur de champ, qu'est-ce que c'est ça? C'est non, ça. Non mais ouais, paramètres. Ouais, c'est... Non attends, pourquoi moi c'est. Hein? On a pas les mêmes trucs. Attends, voilà, j'y suis là. Objet magasin, date, système d'horaire, effet de fondu. C'est ça? Non, c'est pas ça. Bah ouais, c'est cool ça. Ah non, c'est pas ça. Il y a un effet de fondu. Voilà. Oh, regardez, ça fait un effet fondu. Touk, touk, touk. Ah ouais, et là, alors que là, ça le fait comme ça. Trop bien ces paramètres. Système d'horaire sur 24 heures. Réticule. C'est gozo. C'est quoi la réticule? Les gars, c'est quoi? Mais je suis pas sûr que c'est ça comme mode. Mais je sais pas si c'est le mode qui fait ça. Éclairage. Ah si, c'est bon. Je peux choisir le map environnement que je veux. Hein? Ah ouais, je peux choisir la map environnement que je veux. Objet de base. Tu vas dans paramètres et tu fais gameplay, éclairage personnel. Et tu peux choisir. Et si je fais Pin Valley, ça fait quoi? Ça fait quoi non, en fait? Non, apparemment, il faut créer un dossier, c'est chiant. C'est nul. Fluidité de la caméra du véhicule, 100%. Ah! C'est chiant là. Et si je fais ça? Ah ouais, c'est quand même beaucoup mieux ça. Fluidité de la caméra du joueur. Ah, c'est trop nul! Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Indicateur niveau de remplissage de la remorque. Oh oui! Démarrage simplifié du moteur. Non. Profondeur de champ. Oui, non. Ajustement de la collision. Donc là, ça veut dire que si on fait ça. Attends, Hugo, j'ai envie de tester un truc là. Comment on fait pour voir le taux de remplissage d'une remorque? Il faut être dans la remorque ou pas? Attends, quoi? C'est quoi ce mode là? Oh! Mec, regarde Hugo! C'est trop bien ce mode! Ouais. T'as vu ce qui s'est affiché? Oh les gars, les gars, ce mode il est insane. Comme ça, tu sais à combien de pourcent t'es quand tu vides et tout. Ah, tu peux dire, allez, t'y vas. Tu trouvais pas qu'il est stylé le mode? Mec, il est trop bien. Le live bug, non. C'est trop bien. Attends, j'arrive, je vais venir vider. Attends, Hugo. Non, pas flou. Non, c'est pas flou, ouais. C'est presque après 2 mois de KRC que tu changes les paramètres. Bah, mec, j'avais jamais vu ces paramètres. Mais. Attends, Hugo, t'es où là? Mais c'est pas en mode ça. Bon, non, non, c'est le mode qui fait ça. Ouais, c'est un mode, ouais. Et t'es où là? Il est où le massé? Il est là. Vas-y. Mais j'ai rien dedans. Vas-y, tu vas voir. Il fait échappe là. Non. T'as fait indicateur de niveau de remplissage de la remorque. Tu mets oui. C'est bon. Ouais, c'est bon. T'as mis oui, là, mais t'abuses maintenant. Et là, quand tu me vides. Regarde ce que ça fait. Attends. Tu l'as ou pas toi? Ouais, t'as 70%. Quoi? Reviens.
Du coup, tu vois. Ah, t'es vite là déjà ? Vas-y, finis le petit bout qui reste. Il est top ce mode. Non, non, c'est pas un mode. Si, si, si. Bah, c'est, en vrai, et c'est un mode parce que je sais que c'est. On l'a mis sur le site. Je crois que ça s'appelle quoi ? Rempli. Paramètres de jeu supplémentaire, un truc comme ça. Moniteur de remplissage. S'il te plaît. Ah oui. Si je mets paramètres. Paramètres. Ouais, c'est ça. Alors, le mode, c'est celui-là. Il y a paramètres de jeu supplémentaire. Bah, c'est celui que je viens de mettre là avec le truc qui s'affiche. Et après, il y a aussi moniteur de remplissage. Ça, c'est bien. C'est sur le côté, t'as un menu. Donc voilà, si vous voulez des modes comme ça, les gars, vous rendez-vous sur le site. Je vous mets le lien des modes là, si vous les voulez. Je vous mets le lien là. Comme ça, si vous voulez, vous avez le truc. Ok. Allez. Et disponible sur console ou pas d'ailleurs? Je sais pas si c'est en disponible sur console. Non, il n'y en a pas. Bah non, on peut pas. Pas console. Ok, vas-y, bah. Oh, il a l'air accéléré le massé là. Yo. Bah, dis donc. C'est si dire que ça, tu sais. Le Shadow 2 au bar de coupe, il est 10 fois plus grand que moi, tu sais. Tu l'as acheté? Ah bah oui, j'ai pas le fond. Ok. Vas-y, on va dans l'autre champ ou pas? Ouais, vas-y. Il faudrait que tu m'aides à finir en vrai avant, comme ça on fait les deux champs en même temps. Hugo, tu lis le chat. Hugo, il lit un peu le chat des fois. Attends, ouais, mais il faut que tu viennes m'aider. Il faut que tu viennes m'aider dans le champ, Hugo. Je veux pas le même point. J'arrive. Vas-y. J'arrive, mon grand. Pète un coup. J'arrive. Bah, je viens de péter un coup. Non, j'rigole. Occasion. Ah. Y'a rien au cas, les gars. Au cas. Oh! Y'a rien au cas. Hugo? Bon. Hugo? Y'a une jolie. Non. Non. Non, je sais, mais non. Quoi? Non. T'aimes pas? Non, mec, attends. Écoute, ouais, 16 000, mec, tu te rends pas compte? Viens, on va. Ouais, c'est vrai. Tu veux vendre laquelle? Je sais pas, mais elle est belle. Non, tu. Non? Bah non, on a déjà assez de mènes, non? Bah oui, c'est ça, c'est qu'il faudrait en vendre une à la place. On a la Mopu encore ou on l'a plus? On a plus la Mopu? Ah non, la Mopu, on l'a remplacé contre la Mopu. On n'a pas la Mopu. Ah ouais, on a vendu la Mopu pour une autre Mopu. Et on a encore la. Si, on a encore la petite Duchesne, quoi, mais bon. Ouais, non, mais les deux questions, hein. Ouais, on a quand même les deux questions, bah ouais. Mais le chat. Oula merde. Le chat, c'est qu'il a envie qu'on achète une nouvelle remorque. Non? Bien sûr. Ce mec, c'est 16 000 balles. Attends, la Duchesne, tu la vends combien? C'est une réduction de fou, faut pas la rater. Attends, la Duchesne, on la vendrait combien, tu penses? 14 000, mec. Attends, quoi? Tu vends la benne 14 000 et à la place, t'as une benne 3 essieux toute neuve. Non, mais Hugo. Pas abusé quand même. Elle est toute neuve, mec. Achète-la. Non. À 2000 likes, les amis. Allez, 2000 likes, vous êtes 3300 et. Allez, à 2500 likes, je l'achète. Ok, Hugo. Mais jusqu'à 21h05, merci. Non, mais vraiment. Non, pas 21h05, on y aura jamais sinon. Ok, à 21h05, il faut qu'il y ait. Combien? 2000 quelque chose, dis un chiffre. Ouais, 2100. 2100 à 21h05. Il est 2. Ouais. On est déjà presque à 2000, mec. Non, en vrai, 2005. Mais non, mais. 2005 alors, ok, 2005. Ouais, mais attends, mais du coup, est-ce que je vends de la benne? Parce que si je la vends pour rien. Attends, mais j'ai du sorgho là. Ah, mais c'est pour les poules, le sorgho. Ouais, mais après, je me dis, comment on nourrit nos poules sans cette benne? Bah, je sais pas. C'est vrai que c'est un peu con. Une nouvelle benne au pire. Ah là là. Il reste 500 likes, il reste 3 minutes. 4 minutes. Attends, mais ça marche ou pas? M-Cric, carte, si je fais ça là. Ça marche pas. Non. Mais vas-y là, le temps il passe pas trop vite, putain! Ouais, bon. Le chat, 2002, il y a déjà 2200 pouces bleus! What the fuck? Les gens, quand ils veulent quelque chose, gros, c'est insane. Bah, du coup, 2300, Hugo, il est 21h03, il reste 2 minutes. Si on arrive à 2005, je l'achète. Bah, du coup, cette bête, on verra ce qu'on en fait. Hein. Bah, sinon, on la gardera, hein, juste pour nourrir. Attends, d'autres. Allez, passe, putain de attends, temps, il est quelle heure là? 21h03 et 30 secondes, et on a 2360. Yes. Garde la Duchesne pour les poules. Ouais, on va la garder, mais. Bah oui. Mais après, est-ce que les caissons, tu veux vraiment qu'on garde les caissons? Est-ce que c'était pas avant les caissons? Mais les caissons, on en met 10 fois plus dans chaque benne à 8. C'est vrai? Attends, à ce caissons industriels, même avec la Mopu et la caissons, Duchesse, tu mets 45 mètres cubes. Celle-là, 33, ouais. Ouais, c'est vrai. Et celle-là, 36. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Arrêtez de mec. J'ai pas envie d'avoir une benne de la campagne. Tu veux pas une benne de la campagne? Non, mais tu sais que là il y a 2463 pouces bleus. Non, mais il est 21h05. Ah, c'est bon, il est 21h05. Non, il est 21h04 et 6 secondes. Il reste 1 minute pile pour avoir 40 likes, je pense qu'ils savent faire. Non, ils savent pas faire. Oh putain, merde, faut bot. Mais mec, attends, on va. Mais du coup, on fait comment? Parce que du coup, on aura trop de benne.
Ah. Allez, non, 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 non. Camion en occasion. Ah, non, mais le camion, c'est vrai qu'il est en occasion parce que je l'ai acheté pour faire une photo. Salut. Likez, likez, likez. Vends la mopu pour la campagne. Ah, sinon, on change. Mais bon, là. Non, la mopu, j'aime bien. La... Niveau 3D, je crois que la mopu, je crois déjà, c'est une 3D constructeur déjà. Ok. Il est où notre répandeur à fumier? Par contre, on peut changer ton répandeur à fumier parce que l'ouvrier est vide. Quoi? Hein? Il a vidé les 100 000. On met toute la merde des vaches. Il a vidé les 100 000 des vaches là? Oh, what? Mais mec, mais les vaches, ils ont plus rien à bouffer, gros, c'est une cata. Attends, mais mec, il a vidé les... Là, dans ce champ, il y a 100 000 litres de lisier, ça veut dire. Quoi? Merde, merde. Bah attends, bah, je vais finir de vider ça. Ah mais attends, je viens de penser à un truc, il met combien d'engrais? Tu sais, il peut mettre deux couches. T'as vraiment t'as deux couches? Il a mis une ou deux? Il a mis les deux couches, mec. Ah mais il y avait déjà les une... Ah mais c'est bon, il y a... Mais on est con. Quoi? Bah go. Tu sais que le semant, il met de l'engrais. Bah oui, je sais. Bah du coup, pourquoi on... Qu'est-ce qu'on fait? Ah, la classe, elle peine. Ouais, mais comment... On fait quoi, là, du coup? Merci pour les 2500 pouces bleus, les amis. On les a. Bon, bah là... Ah voilà. Non, on les a vu en retard. Non, on les a en vrai, il est 29. J'ai vu. Non, par contre, Hugo, je rigole même pas. Là, on a deux, on a fertilisé à 100% le champ. Et le semen, il met de l'engrais. Ouais. Donc, on y met quoi? Il met du maïs? Bah, non, si tu veux du blé. Ah, mais sans le coup, blé. Au pire, on va remplir que l'essence. Hein. Ouais, au pire des camps, on fait comme ça. Ouais, sinon, on fait comme ça. Mais du tournesol. Ah, ouais, tournesol, mec. Comme ça, on fait de l'huile. Mais mec, on va déjà ramener 100 000 tonnes de colza. Mais mec, faut arriver au million là. Achète la bande de la campagne. Fais un peu de déco. Ouais, mais j'ai mis tellement de modes de déco, les amis. Je sais pas si c'est les mêmes que les trois fermes, je crois. J'ai mis tout ça. Ouais, j'ai mis ces modes là, les amis. Tous ces modes là qu'on avait dans les trois fermes dimanche. Les sacs, on va les remplacer, je pense. On a quoi? On a normalement dans les serres, j'ai rajouté l'oranger. En fait, on va mettre des orangers. Et après en déco les amis, bah dans autre on a toutes les... Ouais. Oh c'est nouveau ça. Bah c'est des modes qui sont sortis aujourd'hui ceux-là. C'est... Oh t'as des pierres mec. Viens on met des pierres dans la ferme mec. C'est nul. Ah. Vends le gros caisson pour acheter une benne à campagne. Ouais mais c'est pas rentable du tout. La benne à campagne les amis c'est 100 fois mieux. Non non le caisson est 100 fois mieux je veux dire. Attends est-ce que tu peux mute deux minutes? Ah j'ai trop soif putain. Oui. Hein? Oui je te mute c'est bon. Oui. Non. C'est vrai? Ah ok. Attends bah, je te mute. Bon peut-être que du coup on va peut-être pas l'acheter la benne. Non mais non. Bah on s'en fout de se muter pour ça. Mais je peux le dire en live on s'en fout. Non mais vas-y achète-le. Non mais à ce qui paraît la benne elle est fuitée. À skip. Donc je sais pas si c'est vrai ou pas. Parce que c'est qui le vrai créateur logiquement du coup? Ça, je sais même, je crois que c'est une 3D qui date du wall. Ah bah mais après, en fait le problème sans farming qu'on a c'est que les modeurs ils disent ouais c'est fuité. Mais si le modeur qui a fait le mod, il s'en fout complètement, il aimerait trop revoir ses mods reconvertis alors que lui il s'en fout tu vois. Pas du tout. Bah peut-être, si ça se trouve le mec il aimerait bien voir ses mods sur quand on joue dessus quoi. Tant qu'on le cite c'est bon. J'ai une question. C'est moi. Ah oui. Tu peux venir avec le caisson s'il te plaît? Vas-y, par contre j'aimerais vraiment. On fait comment Estoben? Parce que les abonnés ils ont liké donc mec. On la jette mais elle va faire vivre un char et de la merde et puis voilà. Bah ça sera moins, elle servira à quelque chose. Par contre là comment je... On met où mes épandeurs là? Attendez. Vas-y. Au moins on aura une petite benne la campagne là des familles. Yo achète la pas. Attendez, je fais un petit sondage quand même. Si vous voulez qu'on l'achète, parce que bon, on s'en fout, enfin, fuité ou non, je veux dire, elle est quand même sortie depuis des mois, donc bon, comment dire que c'est un peu trop tard. On n'achète pas. Allez-y. Oh, d'ailleurs, juste viens d'y penser. Mais est-ce que Hugo, tu connais les Baudins? Bah oui. Mec, ils vont faire un truc là sur M6 demain soir. J'ai le seum. On va tourner les trois fermes. Ouais. Mec, j'ai envie de les voir. J'ai envie de voir les Baudins. Ok, c'est bon. Allez, ça c'est bon. Le chat, c'est on achète. Hein. Alors Hugo. Attends. Le sondage n'est pas terminé, mon grand. Calme-toi. Ok, tu veux qu'il y ait combien de votes? Il y a 3000 personnes. 3500. Donc bon. 1500?
3500 personnes. Si tout le monde ne vote, on n'achète pas, on voit la moyen de négocier, tu vois. Quel connard. Les moutons, je les prends. 1500. Oh, merci beaucoup, Sébastien. Merci. Bah, attends, hein, quoi ? Sébastien et quoi ? Il est marqué ? Oh. Attends, mais. Ah, mais ça, il s'est sub à ma chaîne secondaire, je crois. Bah oui, je crois que ça va sub à ma chaîne secondaire. Bah, en tout cas, merci beaucoup à toi, Sébastien. Je vais changer tout là. Hop, hop, hop. Oh, le con, il a tout par terre. Voilà. Non, on achète pas, c'est nul. Bah là, mec, si on achète, hein. Attends, attends, c'est pas fini. Non, mais quoi ? Tu ne connais pas mes abonnés, ils vont tous dire on achète, c'est normal. Pourquoi tu charges la laine ? Bah, comme ça, je l'amène à l'usine en bas. Ouais. Et les œufs aussi, il faudrait aller les amener, non ? Ouais. Ouais. Bah, les œufs, ils servent à quoi ? À faire du gâteau ? Bah, non, à vendre. Bah, mais faut qu'on fasse des patates. Mec, pour chercher un investissement, c'est des patates, hein. Non, bah, si t'arrêtes de cramer l'argent pour acheter une benne et tout ça, ça pourrait peut-être que faire. ouais. Surtout acheter une benne alors qu'on en a déjà 40 des bennes. Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup de bennes. Même elle est jolie, elle était en occasion. Ah, force à toi, Valentin, grosse force à toi. Alors, Hugo, ta gueule. Ah, y'a un mec qui. Ah. Tu veux lui répondre ? Un mec qui est nav. Nikomouk. Voilà. Et Hugo, tu veux. Hugo énervé, ça donne quoi ? Vas-y, Hugo, dis une insulte. Oh, j'ai pas envie d'insulter les BG, moi. Juste. Ah, tu m'insultes pas parce que je suis BG ? Non, non, par contre, j'ai envie de t'insulter tous les jours. Ah, bon. Ouais. Après, voilà quoi. Non, j'ai les abonnés. Ah, genre là, par exemple, Edgar, il est BG. Pourquoi ? Bah, je sais pas, il a écrit. Camion occasion. Bah, alors, bah, si lui comprendre un camion. Ouais, mais le camion. Chaud, oui, tu as raison. Ah, il est moche. Non, il est trop beau le tracteur. Mec, il est insane. Je dis ça alors que je vais tourner avec un Newland la semaine prochaine. Je suis trop con. Aïe aïe aïe. En tout cas, les gars, Newland, par contre, ah, merde. Il y a rien à dire, mais par contre, ils sont tellement sympas. Non, en vrai, là où je vais tourner la vidéo, concessionnaire de Montauban, là, c'est l'un des plus gros concessionnaires de France, Newland, je crois. Je crois qu'il n'y en a pas des meilleurs ou des plus gros. Et attends, on va juste. Hop. Comment on fait pour décharger là ? Attends. Mais. C'est Y ? B ? V ? W ? C'est quoi la touche, Hugo ? Mais pour décharger les palettes ? Mais I ! Ah ! Ah ouais. Oh, l'autre côté, c'est sorti. Super. Attends, du coup. Non, il y a un peu de gueule. Là tu bugs. Ah, jeune, oh, j'ai des images perdues là. Oula. Bref, en gros, semaine prochaine, les gars, vous allez voir, il y a du beau matos à tester, un beau direct, un beau live avec la team. Bon, la team, on sera à 3, mais. Mais un beau live quand même. On pensera à Hugo. Ah, mais Hugo, tu bugs à mort par contre. Non, mais moi, si je t'en convie depuis un quart d'heure, c'est insupportable. Bah, ouais, mais putain. Mais c'est Discord. Chier ça. Non, je pourrais m'énerver, je m'énerve jamais moi. Bah non, Hugo, il est calme comme une brebis. C'est un jeu de merde. Oh, ça me casse les couilles. Vas-y, hop, c'est chargé, on recharge. Putain. Oh non, j'ai rechargé une palette. Parce que là, si je fais R, ça charge quelle palette ? Attendez, on va s'éloigner. Ok, nice. Ah merde, ça m'a chargé une palette de laine. Merde. Bon, mec, go moissonner l'autre champ, et puis voilà. Bah, j'arrive, mon gars. Il est fini, l'autre champ ? Ouais, mais par contre, moi, j'ai pas de chargé de barre de coupe avec la classe. Comment ça ? Mais j'ai pas de chargé de barre de coupe. Bah, go en cherchant vite. Ok, j'arrive, mec. Viens, 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 je vais en chercher. Pars pas, t'as le temps de tout ranger. Harry Montauban, c'est. Ouais, aïe, c'est ça. Ah, c'est bon. J'arrive, Hugo. Tu peux pas aller plus vite que ça. Mais quoi ? Mais. La chaîne est une usine à vêtements. Bah, y'en a déjà. Ah non ! Mais non, c'est une usine. Mec, viens, on met une usine à vêtements. Mais mec ! Ouais, faut acheter une batteuse, faut acheter une benne, faut acheter. Ah ! Mais ça lag là à pied. Ah, mon live bug, non ! La co, putain ! Non, la co. Ah. Bon, y'a plus qu'en fait, y'a qu'à attendre. Il faut juste faire ça, attendre. Non, mais s'il te plaît, la co, qui est sur ma co ? Mon ami. Putain. Mais y'a toute la famille là, y'en est 45 000 sur une connexion de. Ah, bah là, ma co, elle bug là. Désolé les gars si au live il bug. Enfin, ouais, il est pas fluide, il charge pas, mais il est pas fluide et ça me saoule. Putain, chier. Bon, on va dire que c'est pas. Ah ! Ah ! Ça va mieux. Bon, reprenons. Je voulais faire quoi ? T'en as perdu. Barre de coupe. C'est lequel que t'as en chariot ? Le tout dernier.
C'est le Corio 1275, je crois. Ouais. Bah, en tout cas, moi, j'ai celui-là pour la case. Ah, mais non. Elle est le repas, elle, c'est une petite. Quand la moisson est finie, ah, quoi, mais attends, tu veux que je prenne le Nardi? Ouais, il Mais il y a un chao classe exprès, en fait. Il y en a un classe, donc autant prendre le classe. Ah ouais? Bah ouais, pour moi ça va le faire, non? Ah non, mais non, 1275, donc c'est pour du 12 mètres. Mais c'est bon, on a du 12 mètres. Bah oui. Bah logiquement, il va falloir la faire celui-là. Sarah. Ouais, oui, c'est Sarah. La coupe fait chariot, Hugo. Hein? C'est vrai? La coupe fait chariot? Sur la classe? Ou sur la. Attends, je vais voir. Bah imagine. Bah... je sais pas, il y a des roues, mais je suis pas. Pense... Non, en vrai, je pense pas, si. Pas que. Eh, peut-être. Bah, fait X juste la barre de coupe. Mais non, mais ça marche pas. Non, non, je pense pas. Bon. Attends, plier, récolte. Non, attends. J'arrive, j'arrive. Non, c'est peut-être pas ça là. Salut Olivier, comment ça va? La fin ou pas la fin? Vas-y, j'arrive. À fond. Mais tu veux un call hein? Bah, un chariot. Non, mais sur la case non plus. Hein. Sur la case, attends. Peut-être sur la case, si. Mais non, il y a une touche pour la déplier. Mais c'est X, mais non. Star mode. Vous voulez qu'on aille voir sur Star mode? Oui, c'est vrai. On pourrait y aller. Vas-y, je vais aller voir. Normalement, j'espère que c'est... il est assez long le chariot par contre que j'ai pris. Normalement, il a l'air d'être assez long, mais. Il a l'air. Mais quoi on que. On connaît bien cette phrase. Il a l'air. Ouais. Les amis, est-ce que vous pensez qu'il est assez long? Je ne sais pas. Attendez, j'enlève le sondage par contre parce que c'est chiant. Tac, tac. Alors, qu'est-ce qui se passe sur Star mode là? Attendez, on va juste se remettre sur la bonne route. Tu commences à me saouler, tu me réponds. Alors. Oh là, il est énervé lui. Comment il s'est fait qu'il a 600 likes lui? Hein? What? Quoi? Hein? 400. Non, mais il est vraiment 600 likes ou c'est un bug là? Le mec, il a eu 600 likes sur une photo. Ah non, c'est pas là. Oh non, je pense qu'il est trop court. Non. 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 Ouais, ça fera l'affaire, hein? C'est bon. Il est un peu court, mais. Hein? Logiquement, ça va passer. Ouais, c'est pas le bon, mais. Hein? Merde. Attendez, qu'on se mette bien. Oula, qu'est-ce qui t'arrive? Voilà. On est bon. T'accroches. Parce que je sais pas si je prends un tracteur. Oh non, on peut plutôt ça. Non, tu l'accroches derrière la batteuse. Ouais. Ça passe, les amis, hein? Ouais, ça, il est un peu. Il m'a l'air un petit peu petit, ce chariot. Un peu. Les amis, est-ce que vous pensez qu'il est petit? J'ai l'impression qu'il est limite, mais bon. Parce que, ouais, en vrai, quand tu vas tourner, ça va toucher là. Non? Ah, mais t'as pris quoi comme chariot de barre de coupe là? Ah non, mais il va pas celui-là. Attends, mais j'ai envie de me moquer de tes. Attends, j'ai envie de me Il va pas, il va pas du tout. Oh non, il va pas. Mais mec, t'as pris une barre de. T'as pris une chariot de barre de coupe pour une 7 mètres ou quoi? Bah, j'ai peut-être la pression. Ouais, fonce. Et tu penses à. Mais tu as plus que moi. Mais t'inquiète, ça va frotter. Ouais. Attends, en fait, attends. Bouge pas. Attends, Hugo. Pourquoi j'ai pas mon logo là? En fait, j'aimerais bien la mettre plus derrière. Attends, bouge pas. Bouge pas le Hugo. Mais je peux pas la pousser. Attends, parce que là, ça va pas. Ah, les gars, on a déjà fini de moissonner depuis un quart d'heure. Mais non. Regarde, hop là, j'arrive. J'accroche la barre de coupe. Clac. Au moins que tu m'as pas fait comme ça en vrai, comme tu m'as fait 1 hectare dans la journée et tout. Combien? 1 hectare dans la journée? Ouais. 1 hectare. Tu crois que je fais 1 hectare dans la journée moi? Tu m'as vraiment pris pour. Non, t'en fais 2. Qu'est-ce que tu racontes? On fait 1 hectare à la minute. Mais d'accord, ta connerie, il fallait dire 1 hectare à la minute. Au plus. Oh, allez, Hugo, là c'est parti, ça passe. Ah, s'il faut tourner. Oh, mais je lag dans ce jeu là. À passer par là. Oh! J'ai pas fait exprès. Bon bah moi je passe par là. C'est bon, ça passe, tu m'as pris pour qui gros? Ouais, le premier arrivé il gagne une glace à la fraise. Les amis, mon pronostic qui va. Oula. Qui va y arriver? Oh mais t'es sérieux mec, tu vas me gruger. T'inquiète, je prends un raccourci. Maintenant comme moi je roule qu'à 42. À 32. Attends mec, alors là les gars, là va falloir tourner. Va falloir tourner sans tout casser. Ah oh, ouais non mais. T'es un mec, mais mec, comment tu conduis? Oula! Mais mec, oula, mais arrête! Merde! Non!
Allez, salut ma couille. Non, t'es un connard, mec. T'es vraiment un bâtard. Mais mec, t'as pas de refus, tu sais pas jouer, gros. En fait, ça change rien, hein, qui va tomber là. Mec, attends-moi, Hugo là. Eh mec, je roule à 32, gros. Je peux ok, je peux aller plus vite. C'est parti. Mignon. Oui, regardez-moi ça, ce qu'on voit. Mao. On voit de l'extrême, gros. On voit de l'extrême. Là, c'est envoyer du colza, là. C'est pas envoyer du bois, c'est envoyer du colza, là. Envoyer du colza. Envoyer de la moula, surtout. De la moula ou de la moula. Ah, mec, ça roule tellement vite, en vrai. Nous, en vrai, on roule pas aussi vite avec Gunbutters. Hein. On roule à 24, 23 sur la route, maximum. Voilà. Obligé de ralentir. Oula. Et les clignots. Bah je l'ai mis hein. Tu l'as mis? Vas-y, ouais. Mets tes warnings, voir s'il fonctionne. Ah ça va. Ça va, ça va. Oulala, je vais un peu trop vite là. Oulala. Ah mais t'as déjà apporté une belle. Dans le champ de la voisine. Bah ouais. Y'a rien dedans alors. Hop, décrochage automatique. Décrochage. Le premier qui commence à maçonner a gagné. Non, je sais pas. Bon, déjà, c'est pas moi. Oh, mais... Elle veut pas s'atteler. Ah, c'est bon. Oh, vas-y, elle voulait pas. Allez, dépêche-toi. Coup de pétrium. Allez, c'est parti. Le premier qui gagne. Ah. Et j'ai. Non. Ah, c'est bon. Gagné. Bah, tu me gagner. Casses la parole. Hum. Tu m'as cassé. Bah, déjà, j'ai déjà défoncé le tracteur plutôt que toi, alors. Et ben, c'est parti. Nous commençons à battre. Faut qu'attends que je décolle le maçon. Ah, il a pas de la gueule. Alors, salut Stavo, t'es un BG. Sternoob, t'es un BG. Ah ouais, Sternoob. Merci. Je suis pas Sternoob. Non, pas, pas tout à fait toi. Oula. La connexion n'est pas là. Par contre, il faut que je ramène une benne ou ça se passe comment? Ah oui, il faut que tu ramènes la moupe. La moupe où la moupe. Il y a 2000 dans la moupe. Vas-y, j'arrive. À fond de cale. Giro à l'aide, mon gars. Et là, on est parti. Salut, bon, Lucas. Est-ce que FS22 sera dispo sur C. Sur Sega? Sur Sega? Qu'est-ce que tu me racontes là? Sega? Pas YouTube, ça? Sega, c'est pas. C'est pas les consoles des années 70? C'est CDI, je crois. Bah ouais. Mec, allez, c'est. Oh, t'étais sur la GameCube. Faut faire du foin, mec, à mort là. Eh gros, mais un ouvrier à faire. Ah, je vais trop vite là. Oh, tout va bien. Du coup, tu vois le regarde, live. Oh, c'est pas, tu t'es retourné. Non, non. T'as cru quoi là? Non. La campagne. Mais du coup, la campagne, les amis, j'ai demandé des likes et au final, j'ai même pas de ben. J'ai un peu fait du chantage là. Bah oui hein. Ah ouais. Non mec, non bah t'as plus qu'à acheter la benne gros. Bah oui mais acheter la benne si c'est pour avoir 40 bennes tu dis ça sert à rien. Bah trop tard. C'est méchant. Allez j'arrive. Trop tard. Je me mets à droite, tu te mets à gauche, c'est parti. Je viens d'arriver, j'ai loupé quoi? Alors t'as loupé de la moisson et De la moisson. Bon, on fait que de la moisson. Et de la moisson. Non mais là on fait full moisson les gars, donc merci d'être 3200, merci les amis. J'arrive. Alors, t'es parti où toi? Tu fais ce côté, l'ouvrier fait le côté là-bas. En plus on sera pas loin. Ouais. On va aller là. Ah ouais, en plus il trace tellement celui-là là. Bon la masse elle est un peu ridicule mais... Mais bon. Et bon. C'est pas grave. Ok. Ok, l'ensileuse elle est là. Là, les tracteurs ils sont là. Bah, est-ce qu'on mettrait pas un tracteur à semi par hasard? Bah, non, si on accélère le temps pour faire produire l'usine, non? Ouais. Ok, bah, du coup, go s'occuper des champs. Go s'occuper de l'air plutôt. De faner. Enfin, non, de faner, ouais. Ouais, oui, il faut faner. Go bah, faner. Vas-y, comme moi je suis en train de moissonner. Par contre, faneuse, ça a vite être fait. On a quoi comme faneuse actuellement? Si on a une faneuse qui est moins de 54 mètres, je la vends. J'en rajoute une nouvelle. Parce que là on n'est pas là pour chier dans la moule. Où est-ce qu'il y a le... Bah mec elle est où l'andaineuse là? La faneuse je veux dire.
Dans le petit hangar, dans le vieux. Dans le vieux? Ouais, dans le plus vieux des hangars. Alors, le temps qu'il réfléchit, tout est demain. Salut mon Francis, R pour les vaches. Oui, R pour les vaches, exactement. Et Zero à ce qu'il paraît. Hein? Bah, je sais pas, il dit c'est Zero alors. Zero? Je m'appelle pas Zero. Bon, bah, je veux concessionnaire, elle a changé, à plus. Si, c'est lui, Kevin. Oh, mec, t'as coup. Mais pas de coup, toi, j'ai mis un coup de qui sur. Mais c'est pas là, alors c'est quoi, c'est Discord? Parce que moi, je suis en vert. Mais oui, c'est. T'es en vert aussi, toi? Bah, moi aussi, je suis tout en vert. Et pourquoi ça bug comme ça? Ah, je sais pas, mec, on était encore en. On a le bini ou quoi sur le serveur? Je sais pas où on est là, on est au Sahara du bled, je sais pas où on est. Mec, on chie ou quoi? Je sais pas. Allez hop! Du coup, les amis, la faucheuse, la faneuse, à plus, Hugo. Oula. Ah bon, d'accord. Allez, si t'avais pas le choix, de toute façon. De toute façon, on va gagner. Oh mec, on va vendre. Oh, trop cher, on l'a vend gros! Oh, regarde comment on l'a vendu! Mec, c'est pas possible! elle était en carton. Mais elle était déjà en occasion. On l'avait acheté déjà. Il y a les Fela qui sont sortis. Les Fela. Les Fela. Ouais, je sais pas ce qu'on prend. On avait quoi? On avait celle-là? On avait la vie. En fait, on avait la même. On avait celle-là là? On avait celle de 9 mètres? Ouais, ouais. Et bien, du coup, c'est parti. Là, ça va y aller là. Place l'usine pour faire de l'huile de colza. Déjà fait. Les amis, regarder les vidéos. On a 12 millions d'usines. Alors les amis, vous allez voir que là, ça va le faire. J'arrive Hugo. Bah non, j'arrive pas. Ah si, quand elle est pleine la bataille, on va faire ça. Il y a un endénard sur Star Mode à 6 toupies. Hein? Non. Comment ça, j'ai 6 toupies? Catégorie. Ah mec, le prochain site sera tellement mieux. Fwing et endénard. Comment ça, à 6 toupies? Ah, c'est lui, je crois. Ça doit être lui, non? Ou lui? Lui, il fait 1, 2, 3. Ah, c'est lui? Oui. Non, mais les gars, c'est pas moi qui bug, c'est Discord. Discord, il est insane. L'usine à vêtements, Star Wars. Ouais, mais l'usine à vêtements, c'est vrai que c'est pas bête. Hein. Celui-là, il fait combien de mètres? Il fait 19 mètres. Ouais, mais lui, il fait combien? Attends, celle qu'on a acheté, il fait combien de mètres? Enfin, non, la fenêtre qu'on a acheté, elle fait combien de mètres? Elle fait 17. Ah ouais, il fait encore plus gros. Wow. Merci beaucoup, Thomas, pour tes 10 balles. Merci, mec. Salut, Starvio. Non, salut, Stéril, pardon. J'espère que ça va. Il a l'air bien, FS22, continue comme ça. Bah, mec, il est plus que bien. Moi, j'adore. FS22, je suis trop en fan dessous, je vous jure. Là, les trois fermes, pour moi, c'est vraiment la série la meilleure de ma chaîne. Je suis en kiff. Les vues, je m'en fous. Hein. La série peut faire 2 vues et demie ou 1 million, je m'en fous. Mais, en termes de trucs qu'on peut faire sur la série, j'adore. Genre, je suis en kiff total. Donc. T'as dit quelle série? Trois fermes. Non, là, je suis rassuré, putain. Non, regarde, mec, trois fermes, elle est beaucoup mieux. Mais non, j'ai reçu, t'es un ouf. Mais bien sûr que si. Mais non, mais mec, t'as vu, on commence à faire des usines, on commence à faire du pain. Oui, je sais, oui, mais attends, mais oui, mais mec, t'inquiète, je sais. Mais quand même. Alors attends, Hugo, tu vas me péter la gueule, je sais. Non. Tu vas me péter la gueule. C'est pour ça que je veux pas te voir en vrai, comme j'ai tarté. Ah, quand même. Attends. Tu gueules. Je vais faire des Kellogg's. Non, je conne. Oh, on peut faire des Kellogg's? Non. Bah, oh. Avec du miel. Ah ouais, bon. De toute façon, t'as pas le choix. Écoute. Non, mais quoi? Non, Hugo, non, mais tu n'as plus que 192 000 euros, est-ce que c'est grave? Non, mais tu fais quoi là? Hugo. Non, mais attends, je regarde pas le live, mais attends. Mais Hugo. Mais mec. Mais c'est quoi ton horreur là? Non, mais mec, vraiment, je rigole même pas. Ah merde, il faut aller accéder à l'arrière là. Oh merde. Non mais mec, je rigole pas. Vas-y, ça va être bien. Hein. Imagine, je misclick. Je vais misclick. Je ban. Non mais mec. Dans le chat, vous en pensez quoi là? Le chat. Mec, on doit acheter une batterie et tout ça. On va pas acheter. Ouais, je sais. Non mais ouais, tu sais, mais tu sais pas en vrai. Comme ça va mec, le faire. Mec, l'argent ça tombe pas du ciel hein. Pas comme ça qu'on a. Mais mec, la batteuse c'est peut-être pour après. Les vêtements, on te rend pas compte des vêtements, comment ça va être. Attends, ok, tu veux qu'on achète une batteuse. Mais là, on fait 100 000 euros. Mais t'imagines, on va vendre quoi? 100 000 euros de tissu. Imagine, on vend 200 000 euros de vêtements à la place. On a remboursé l'usine et en plus, on a pas perdu de sous. Non, mais tu sais que pour produire des vêtements, il faut du tissu. Mec, on a des milliards de tissus. Non, pas vraiment. On a 10 palettes. Ils disent 30 000 euros.
la palette. Inutile. Comment c'est inutile? Merci Thomas pour tes 10 balles. Désolé pour l'autographe. T'inquiète. Non, problème de Michael. Il a dit non. Et attends, on a une batteuse à acheter. On a un nouveau tracteur à acheter. Non, mais tracteurs, ils vont tous bien en vrai maintenant. Si vraiment non, on se faisait chier, ok, mais là, mais il y a des usines. Mais pourquoi tu veux mettre des usines? Non. On était. Bon, là, ok, on attend. Ok, s'il faut attendre, faut attendre. Attends, sondage. Non. Oh merde. Attends, j'ai fait un sondage, mais de rien, je crois. Oui ou non? Bah, ok, oui ou non? Oui ou non? Oui, on place et non, on place bon, pas. Allez, moi, je vote non. 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 Non, non, non. Non. On va voir, on va voir, on va non. voir. Merci, mais merde, mais non. Attends, le chat. Mais non. Achète le plateau pour voiture pour les palettes. Le plateau. Voilà. Par contre, ça, vraiment, non. Ah, mec, Hugo. Hugo. Non, 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 attends, il a des, il y a des priorités, écoute, Hugo. Non, priorité, après, mais... la vraie priorité, c'est qu'on a la batteuse qui est en location. Mais déjà. Et pourquoi il y a plus de oui si on dit je vois non dans le chat, mais je vois plus de oui. Voilà, il y en a qui disent non pour moi, allez. S'il place, tous ceux qui ont dit non, on se barre du live. C'est bon, j'ai compris, on la placera après alors. Mais non, mais après, les gars, on accélère le temps, on achète la masse boîte, on achète le tracteur, et sinon on va dessous, là, on place l'usine. En plus, justement, les trucs de filature, ils vont plus se produire. Regarde tous ces tissus. Ça veut dire qu'on va avoir plus de, ça veut dire qu'on va avoir plus de tissus et plus de marchandises à mettre dans le tailleur. En fait, on a pas de tissus en fait. Ok, c'est bon, j'ai compris. Bon bref. Les gars, vous êtes d'accord avec moi? Vous accélérez le temps. Nous vendons l'huile de colza, on achète batteuse, tout ça. Et puis après, justement, ça va produire les trucs de tissus à produire. Et après, go. Go. Après go, on achète le truc de tailleur. Ah, j'écrase les champs. Mais avec je sais pas combien de palettes de tissus en stock. Bah ok, bah du coup ceux qui ont pas voté mettez tous non, comme ça moi j'aurai la conscience tranquille, il va marquer non. Voilà, c'est bon. C'est pour quand? Avec les croûtons, aucune idée. Par contre, semaine prochaine les amis, vraiment, hein, rendez-vous semaine prochaine, mercredi à 16h, live en direct d'une concession. Ça va être insane. Voilà. Pourquoi ça m'affiche pas là, comment je suis rempli? Ah mais je suis con, c'est moi qui suis dedans. Ah si, ça affiche, voilà. Regardez ce mode là. Il est trop bien. Allez, c'est parti. T'as combien de pourcents? Moi je suis à 22. 30 tonnes? Non, 22%. Ok. Bon bah du coup, ok. Pour la batteuse, tu peux vendre déjà. Tu la délouras et elle sera d'occasion. Oh! Mais oui mec! Mais Hugo? Bah oui. Oh là là. Mais il nous faut quand même de l'argent. Mais on va avoir 12 milliards d'euros gros. Ah, il est plein ce caisson? Bah oui, il est plein. Ah, quand même! Bah, c'est pour ça, après go, avec ses haletons à fond, on s'en fout des vagues. Hein, on a 45 000 plus de. What? Oh, ouais, mais là, ça va être insane là. Gros, on voit une grosse semi d'huile de colza. Et là, t'inquiète pas, tu vas payer ta putain d'usine. Et on fait quoi avec l'huile? On peut faire des choses avec des huiles ou pas? Avec des huiles? Non. Ok. Et les amis, objectif 3500 pouces bleus pour aucune raison. Et le vlog Michelin, il sort. Alors, j'ai envie de dire semaine prochaine, mais probablement que non, parce que là, avec tout ce qui va se passer, je vais pas avoir trop le temps. Par contre, il sortira probablement quand je serai au salon de l'agriculture par là. D'ailleurs, je vous fais un vlog au salon de l'agriculture aussi, donc trop hâte aussi. Il y a plein de choses qui vont. Là, ça va arriver. Là, va y avoir live Newland semaine prochaine, donc en direct de la concession avec Zero, Germain et des mecs de chez Newland. Ils vont ramener un tracteur de Newland France et tout. Insane, oui. J'ai une question, comme tu l'as comme un porc. Est-ce que le serveur abonné est hébergé ailleurs? Ah, peut-être. On va bien à quoi l'esprit Discord abonné, mec. Allez, tu m'aides de trop. On va sur Discord abonné. Vas-y. J'arrive. Allez, on va sur Discord abonné. Bureau Stervio. Hop là. C'est bon. Oh là là. Oh, l'usine qui va commencer à produire. Mais alors là. Mais l'usine, ça va être fou là. Oh, les rendements commencent à se faire. Bon, et les moutons, ils mangent quoi? Du goudron. Les vaches, elles mangent quoi? Du goudron. Hello. Ouais. Peut-être c'est mieux là. Je sais pas. Moi, c'est vert toujours, mais. Ron, faut vraiment s'occuper des vaches, gros. On a vas-y, plus nous, d'air. Moi, on a plus d'air. Bah, du coup, je la ramène à la ferme, le caisson, à mon avis. Il y aura assez, ça passera. Oui, dans le repu, oui. Un jour. Attends, elle a fini ou pas? Bah, pratiquement. Attends, je vais la reprendre. Voilà. Et tac, ça c'est fait. Stavo, tu peux me faire une dédicace. Grosse dédicace à Big Boss. C'est vrai que je fais plus de dédicaces maintenant. Avant j'en faisais souvent.
Mais c'est vrai que j'en fais plus de dédicaces. Bah non, mais au moins t'en fais dans le chat. Bah ouais, mais dédicaces, je trouve ça trop nul, tu vois. Enfin, genre avant j'en faisais à chaque fin de live, avant j'en faisais. Mais je dis, mais à quoi ça sert? Mais moi j'ai jamais demandé de dédicace, même moi je bah, en fait, tu le fais parce que le mec il dit dédicace, du coup il fait oh bah du coup tu vas entendre le youtubeur dire ton nom, mais à part ça. C'est juste ça. Mais dédicace c'est juste ça. Ah, je crois que c'était une dinguerie, mais non, pas du tout. Bah non, dédicace. Quand tu fais dédicace. En fin de live, hein, je faisais tout le monde marqué dédicace, je faisais dédicace à. Dédicace à. Moi aussi je fais ça. Okay, mais bon, ça. Merci. Bah. Non, mais mec, quand moi j'ai lancé ma chaîne YouTube, gros, t'étais encore un bébé, t'avais 60 ans. Faire doucement, quoi. La ferme est jeune. Ah, comment ça, elle est jeune? Elle est pas jeune. C'est quoi? Ils disent la ferme est jeune. La ferme est jeune? Ouais. Bah, du coup, on la déloue, la batteuse? Bah, ouais, là, elle a fini. Je déloue tout. Vas-y, go vider les. Ouais, déloue tout. Les amis, je déloue tout directement maintenant. Donc, tu auras le temps pour que les palettes se produisent. Ouais. Oh, mec, tu penses qu'elle sera combien en occasion? Je sais pas, moi. Il y a combien? 1h05. Attention, les amis. En occasion, la batteuse, y est pas. Bah, y est pas, gros, la batteuse. Il y est pas, la batteuse. Ah, c'est temps qu'il a nettoie. Donc là, on avait 45 000 plus 21 000. 65 000 euros. 65 000, on va avoir. 66 000 exactement. Donc là, on a 66 000 de colza dans l'usine. Je sais pas si tu te rends compte, Hugo, qu'est-ce que ça va faire en nombre d'euros. Mec, on va re-avoir le million là. Bah ouais, avec les palettes et les palettes de poules et tout ça. Ouais. Ouais, ça va. Mais on a acheté une deuxième semi. On loue une deuxième semi, on charge tout. Y'a moyen. Bah là, faut quand même qu'on s'occupe de nos animaux là. Là, faut donner des races mélangées aux vaches à lait et tout le stock. Bon, attends, on a le temps. Non, mais moi, je voudrais bien avoir qu'on mette qu'on trouve un mode. Ah, ça lag. Non, mais rentre ta voix avec vraiment. Non, 133 MS. Ouais, bah ouais, je sais pas quoi en faire. Et toi? Et sinon, ça parle en privé? Mais je crois que ça va être pire d'aller attendre, je t'appelle. Ah merde, on est pas amis, si. Mais tu sais, appelle-moi. Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon. Allô. Ouais, c'est bon. Ça va mieux pour l'instant. D'accord. Ils disent 520 000 euros, on va se faire. Donc on aura 700 000 euros. Ou alors, parfait. Les animaux, je dors. Bah non. Cette, Faut qu'on mette les animaux qui bouffent quand même, sinon ils vont rien produire. Mettons, mettons, on a plus rien dans le stock. Bah oui, mais on vide au moins le petit stock qu'on a, quoi. Et après, ah, Brandler va repousser, oh non. Ouais. Bah attends, mais mec, bon, faut qu'on même s'il produit rien, est-ce que tu crois qu'on a vraiment des vaches laitières, des vaches à viande pour faire autant d'argent? Bah quand même, le lait ça rapporte beaucoup, hein, quand même, mine de rien. Tu vis d'une semaine pour pratiquement 60 000 euros. Ouais, mais si on a le temps, les palettes de. Donc l'usine avait demandé. De colza, ils poussent, ils sortent, c'est le quadruple, même le x10. Ouais. Donc ce micro miteux. Mais non, ouais. Non. Mm-hmm. Ce délire avec ce micro miteux. Mais c'est GMK, et dans le live semaine dernière, enfin avec Germain, on rigolait de ça, et du coup tout le monde dit ça. Est-ce qu'on a une ferme miteuse? Ah. Alors, nous allons poser le caisson. Bah, du coup, on a un bâtiment, on va ranger dans un bâtiment. Et déjà, à la fosse à lisier, peut-être qu'on va en placer une aussi, non? Ça te dit pas? Parce qu'en fait, ouais, on a plus de stock. Hey, mais là, on a un bâtiment, il est mal rangé là. Oh. Ah, mais Taras, toi! Ouais, mais bon, mon grand, comme toi. Mais ma montre, elle me parle, je suis en live. Excuse-moi, Siri, je suis en live. Voilà. Alors. Ah, quoi? Non, mais mec! Allez, vas-y, c'est bon. Aïe. S'il te plaît, une dédicace. C'est quoi le nom des gars? Bah, Hugo. Mais dis-moi. Mais d'ailleurs, les gars, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, les amis? Mercredi? Ceux qui ont oublié? J'invite, voilà. Alors, les poules. Attends, mais les poules, elles mangent? Oui, attends. Je vais donner. Attends, laisse-moi le télescope 30 secondes, Hugo. Si. Allez. Une. Attends, parce que la porte était miteuse. Faut que j'arrête avec ça. Occasion. Ah oui, occasion. Ouais. Oh, mec. Mec, y'a pas la batteuse. Non. Je pense qu'on a trop dormi. Bah non. Mec, je suis sûr qu'on a trop dormi, y'a plus la batteuse. Mais c'est pas grave. Mais comment on fait, mec? Mais comment on fait quoi? Bah, on va l'avoir, on ne pourra jamais l'avoir l'autre d'occasion, du coup, ça veut dire.
Mais mec, on la paye plein pot, nous. On a des sous, nous. Attends, mais on le champ, enfin le temps en fois 300. Non, les gars, j'ai pas de chinité. Mais que non. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais non, mais moi je veux avoir la batteuse là, y est pas. Je comprends, mais après 20 ans. Je comprends. Non, tu comprends pas. Mais si, je comprends. Oh, je comprends. Hey, mec, y'a pas la batteuse là. Non, mais en plus, en avance le temps, les moutons ils crèvent la dalle, ils disent rien en plus. Allez, graille la bande de moutons. Ah, là. Le sondage, c'est quoi? C'est oui ou non? C'était pour savoir si on mettait l'usine de vêtements. Et les gens, ils ont fait oui. Enfin, ils ont non. En fait, la moitié mettait non dans le chat, mais la moitié, les trois quarts ont voté oui. Mais je pense que là, avec tout l'huile de colza qu'on va se faire, on va pouvoir s'acheter la batteuse ainsi l'usine. Ah, bon. Allez, j'arrive. J'ai fait une dédicace aussi. Les locations ne vont plus dans les occasions depuis la mise à jour. Ah. Voilà. Bah merci du renseignement, ça fait plaisir. Du coup c'est là qu'on... voilà, bah super. On voulait la payer, Pourquoi, Hugo, attends, il y a un problème de... Oula, ouais. Qu'est-ce qu'il a l'ouvrier là? Pourquoi aucun champ trouvé? Qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qu'ils disent? Déjà, est-ce que celui qui fanait, il a fini de faner déjà? Bah non, c'est celui-là justement. T'es dedans? Bah oui, je suis dedans. Ah. Et du coup, bah lui, on va le laisser là. Oh, lui, ouais, c'est bon. Mais tissu, ça a produit que ça pendant la nuit? Attends, mais laisse-moi. Ou alors finis à la main. Bah, il faut que ça attend, alors. Ouais. Il faut acheter une usine. Bah, il faut acheter ton usine. Oui. Attends, je vais prendre de la paille directement avec la mélangeuse. Je vais me faire chier. Bah, du coup, ouais, bah, accélère le temps alors. Qu'est-ce que tu veux? Attends, je vais comprendre. Ouais, vole ce bot. Ah, mais c'est le plateau auto-load. Vas-y. C'est parti. Bah, je mets full paille. Comme ça, tout sera paillé. Ah. Je la remplis en paille. Et t'en es où là? T'en es qu'à là? Ah, ouais. Bah, attends, on peut mettre le temps x 10 au moins. Et du coup, y'a plus d'eau casse quoi. Ah, ouais. Super. Allez, chop. Ouais. Ah mais attends, mais oui, en fait t'as un abonné qui a raison. Quoi? Le camion que t'avais loué, il était en occasion. Bah ouais, pourtant. Ah mais non, mais c'est que je l'avais acheté. Je l'avais acheté dans la terme. Et oui. D'accord, mais comment connaît. Et oui, mon cher. Allez hop, 25 000 de paille dans les vaches. Dans lesquelles? Hein? Dans lesquelles vaches? Bah du coup, je sais pas, celle du haut ou celle du bas? T'as les deux. Non, je sais pas, n'importe. Range ta ferme. Ouais, là, il faudrait qu'on la range un peu, là. On met des bâtiments, mais... voilà, quoi. Bah, vaut mieux qu'on aille dans la ferme du bas, parce qu'elles font du lait. Alors que celles-là, elles font pas de lait. Donc, voilà. Du coup, je viens d'arriver. Salut à toi, du coup. Bah, là, du coup, les gars, on a 70 000 d'huile de colza qui va nous rapporter, mais insanément de thunes. Donc, on va pouvoir s'acheter vraiment la batteuse et pas la louer. S'acheter une usine de vêtements. Hugo veut changer de tracteur. Ouais. Et voilà. Elle est où la playlist? Achète une stabilisation automatisée. En vrai, non, elle va très bien celle-là. J'aime bien faire une ration. Hein. Après, ça devient trop. Je pense qu'on va vraiment commencer à faire ça. Oui. Hein? Non, arrête. Tu veux avoir une stabilisation automatisée? Bah oui, gros. Ah ouais, genre, je pensais que t'allais. Mais mec, t'as fait 3 mélangeuses depuis qu'on est allé en garage. Bah. Oui, c'est vrai que c'est vrai qu'Hugo, il s'appelle. C'est vrai. C'est vrai que Hugo il se tape les mélangeuses. Paille. A chaque fois dans un live ou dans une vidéo, mec, je suis tout le temps dans le bol mélangeur, gros. Mec, c'est à dire qu'il faudrait vendre ça là? Non. Mec, non. Bah non, mais on fait 18 fois plus de vaches à viande. Bah on ferait plus de. Comment ça on ferait plus de vaches à viande? Bah là, le bâtiment des vaches à viande, l'ancien bâtiment des vaches à viande, on l'a mis en viande. Ah, mais du coup, on aurait 3 stabulations, ça veut dire. Ah mec, soit on est américain, soit on n'est pas américain, désolé gros. Ah ouais, mec, il va trop se depuis quand on est à fan de 240 jeux sur une faneuse, déjà. De... Bah, je sais pas moi. Qu'est-ce que tu racontes? Bon courage avec cette stabulation. Le chat voulait qu'on change de stabulation aussi. Et mec, oh merde, je fais trop de trucs. On va pas acheter 12 millions de stabulations. Est-ce que ça vous dit les gars qu'on a deux stabules à vache à l'étendre? Ma viande. C'est pas des vaches à l'étendre. Alors ça fait 45 vaches. Plus 85, c'est ça?
45, 85, mais elle est pas 4. Pleine. Non mais si, la grande, si elle est pleine. 10, 20, 30, 40. Hein, toutes les sabules sont pleines. Non. Bah oui, toutes les sabules sont pleines. Bah si. Ah quand même. Ah je savais pas ça par contre. Est-ce que on met deux sabules à vache à viande et une grande sabule pour le vache qui est. Vas-y, tout le chat dit oui, c'est bon, c'est acté. Mec, c'est hein bon. Mais mec, tu m'en dis. Bon. Eh gars, une question. On va la mettre où la sabule? Quoi? On va la mettre où la sabule? Eh gros, t'as con, on entend pas ce que tu dis. Non mais oui, je sais, mais ça blague. Mais déjà, c'est pas ma co, arrête de dire, c'est ma co déjà. Ouais, bah c'est une co de quelqu'un en tout cas, mais. En bronze, c'est bon, j'ai pas assez de paille. Ah, c'est ça. Ah, bah moi aussi, je t'entends, mais. Allô? Ouais, c'est de la. C'est nul. Non, mais les. Non, on appelle Messenger. Messenger, non, la qualité, elle est gâtée. Non, par contre, acheter une nouvelle stabulation, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et ouais. On est quoi? Ah ça, ouais ça peut le faire, ça peut le faire. Attends, on vous dit tout saoulé parce que vous voulez mon idée ou vous voulez juste une nouvelle stabulation? Ouais mais attends, on va pas avoir 3 stabules. Et pourquoi pas? Mais tu te rends compte le temps, qu'il faut en fait on va toujours falloir qu'on fasse des rations en fait. Bah non, que encore dans la petite tu mets 2 bols mélangeurs. C'est pour ça qu'on achète une grosse mélangeuse. Attends, donc, faut trouver une solution pour changer de serveur parce que c'est une catastrophe là, voilà. Comment on fait là-dessus là? Ah, région. Bah voilà. Région, on se met à Sydney. Allô? Ah ouais, mais. Ouais. On est à Sydney. Ils sont fous, on est d'Australie, gros. Je sais pas. Il y aura un peu de délai, mais. Vas-y, attends, dès que tu m'entends, fais top, ok? Hop. Attends, mais il y a. Attends. 1, 2. Regarde, je trouve. Top. Top. Hein? Non, arrête. Tu trolls. Mais quoi? T'as vraiment dit top? Allez, dès que dis top, tu dis top, ok? D'accord. Top. Top. Mais arrête tes conneries, mec. T'as mis 12 ans et demi. Arrête. Attends. On va mettre. Il a pas de délai. On va mettre Rotterdam. Attendez. Top. Attends, j'ai mis top. Rotterdam. Si, c'est bon là, c'est bon, ça fonctionne Rotterdam. Rotterdam. Quoi? C'est pas Rotterdam, c'est Rotterdam. Rotterdam. On est à Rotterdam, ouais. Les gars. C'est comme un roux, mais en fait, c'est une. Chine. Quoi? Allez, charge. Salut. Oh, Christophe. Attends, salut Starview, LSC depuis Prudhoe Bay en Alaska. Il fait moins 45 degrés. Annonce moins 57 degrés en ressenti. Je te dis, tu restes pas longtemps dehors. Ouais, mais de fou. De fou. Bah, force à toi et puis. Là, je vais regarder sur le site, voir s'il n'y a pas d'une grosse mélangeuse qu'on pourrait s'acheter. Ouais. Prends une stabule, mais stabule, rendez compte. Attends, déjà, regardez ma ration là. Oula, va falloir un petit peu d'ensilage. Au moins, on vide les bottes d'arubané. En vrai, il y aura de moins en moins de bottes. Enfin, en tout cas, pour l'instant, il y a très peu de bottes dans la map. Bon, 45 000 litres, une mélangeuse 3 essieux, ça doit le faire. Bah, celle-là, elle fait 27, je crois. 24. 25, elle fait. Sur le GV, elle fait 45. Elle est où? Sur le site? Sur ça, bah oui. Mais okay. C'est pas une mélangeuse automotrice. Catégorie animaux mélangeuse. C'est laquelle? La Silo King. Ah, la Silo King. Pas la Kinan. Bon, pourquoi pour la Kinan? La Kinan, tu veux la faire. Ah, après, le problème de la Silo King, c'est qu'il faut un tracteur dédié, quoi. Ouais, voilà. Oh! Je me suis chié ma mélangeuse, Hugo. Oh non, j'aime pas si mes mélangeuses. Regardez, je me suis chié ma mélangeuse, il y a trop de paille. J'ai mis trop de paille. Et si je vide la paille par terre, Hugo? Ça marche? Si je fais CTRL I, c'est la paille qui tombe là? Ou c'est l'herbe? Normalement, c'est le foin. Ah, mais du coup, on fait comment là? Ah, mais du coup, je fais comment là? En silage, faut que je mette là? Attendez, on va essayer. Là, j'ai une soif. Attends, Hugo, je vais aller boire parce que j'ai soif. Je te laisse papoter avec les chers amis. Ouais. Merde. Attendez, je vais quand même charger ma ration là. Vas-y, au pire, elle sera ratée ma ration, je m'en bats les steaks. Hop là. Dis quand t'es parti, hein. Bientôt. Là, je suis parti. Ok. Et toi? Si, je suis parti. Ah merde, tu m'as roulé. Ah, t'es pas. Bah oui. Il faut le pichon de l'année dernière. Le pichon?
Ah ouais, en mode, ouais. Bon, je te laisse faire la ration vu qu'elle est nulle. Ça fera du fourrage, mais c'est pas grave. Ok, bon. Y a quoi à faire actuellement là? Attends, que je regarde. La batteuse dans la paramé. Attends, quoi? Tu vas pas boire? Si, je vais boire. Je vais boire. On dort? Vas-y. Comme ça, on va se mettre là. Vas-y, dors. Allez, mais attends, je suis pas mélangeuse, moi. Aïe, mon casse. Vas-y, à tout à l'heure. Vas-y, je te laisse. Demande de dormir et j'accepte. Vas-y. Attends, j'arrive. On a 93 000 de colza dans l'usine, mec. Il est marqué 93 000. Je rigole pas. C'est beaucoup, 93 000. Là. Vas-y, demande. Ouais, mais attends. Venir doucement. La femme est jeune avec mon nom derrière. Vas-y, go. Les gars, donnez une note sur 20 du gameplay. Si je prends pas le vert, ça va pas marcher. Hein? Ça va, mec? Attends, t'as entendu? Donnez une note de son jeu, de son gameplay. Ou alors vous marquez tous nul dans le chat. Non, marquez tous nul. Marquez tous nul, Bastien, nul. Alors, si avec ça je pisse pas toute la nuit, Je vais pisser jeune. Nul. Oh, vas-y, arrêtez d'écrire nul, vous êtes des bouffes. Aïe, je laisse Hugo au micro, ça y est, c'est déjà le caca. J'ai rien dit, mec. J'ai rien dit. Encore? Ah, mec, faut que ça produise, là. Ils écrivent nul, là. Ah, tu sais pas quoi, pourquoi, d'orange, là. On dirait qu'il y a de l'alcool. Mec, il juste... Pardon. Mec, ils ont dit non, tu sais, ils ont dit ouais, ça avait une moulage comme ça, mec, il est parti boire, ils s'en foutent de ses abonnés, c'est pour ça qu'ils marquent tous nuls, gros. Ok, si tu racontes. Hein. Justement, je suis parti pour me remettre en route parce que si jamais j'étais pas parti boire, non. Je serais comme ça là. D'accord. Je parlerais comme ça. Mec, c'est pour ça qu'ils mec j'ai pas bu. Voilà. Du coup, là j'ai bu maintenant. Ouais. Bon, par contre, les poules, c'est plein. Ouais, je suis en train de faire un poulailler. Tu te fais un poulailler? Ouais, carrément, ouais. Attends, hop. Mais arrête de dire nul, là! Vas-y, Jean, Tu les as abandonnés, gros, pour aller boire. Quoi? Tu les as abandonnés pour partir boire? Mais c'est non, normal. C'est pas moi. Nul, vas-y, non, vas-y. Écrivez, Noupi. Attends, du coup, ça dit quoi les vaches là? On a combien? On a 31 000 de lait, c'est nickel. On a plus rien à bouffer. Les moutons, ils vont crever. Les poules, y a trop d'œufs. Les limousines, bah les limousines, mec, c'est tout. Y a plus rien, y a même pas eu un litre. Et les autres poules, c'est plein. Mais ça dit que c'est plein. Ils sont maigres. Doupi, voilà. Bon, c'est bon. Y a plus qu'à ramener la batteuse. Faut qu'on remette à semer. Bah là, faut qu'on sème, gros. Du coup, la batteuse, ouais, nul les occasions là. Mec, tu veux pas faire une grosse. Une grosse... Un gros chargement d'huile de colza? Bah. Et on en fait quoi de l'usine là, tissu? Parce que tant qu'à avancer le temps à produire de l'huile, autant qu'à que ça fasse du vêtement, tant qu'à faire. Mais oui, non, on n'a pas assez de tissu. Mec, si. Parce que le temps que les tissus vont se créer, ça, l'usine de vêtements va commencer à créer des vêtements. Et ainsi de suite. Comme ça, rien ne sera plein en même temps. Hein? Le chat, j'ai raison, faut mettre l'usine de vêtements là, maintenant là. Moi c'est en décembre. Pour faire une palette de vêtements, il faut deux palettes de tissu. Et t'inquiète. On va dormir, ça va produire. T'inquiète. Bah oui, justement. Non mais vraiment. C'est quoi ces musiques là? Bon. C'est lui qui nous a dit de mettre. Bah oui, j'ai bien compris. Mais non, mais n'importe quoi. Bon, cette barre de coupe gros, elle est insane maintenant. Elle est insane. Par contre, on a toujours qu'une batteuse, hein, à part ça. Attendez, les gars, est-ce que c'est moi qui vous a dit de marquer nul? On est bien d'accord, c'est pas moi? Oui. Non, bah attends, tu vas voir les abonnés. Ah. Que c'est moi? Alors. Regarde, t'as vu, c'est pas moi? Bah arrête, c'est qui alors? C'est pas moi. Bah allez. Ça parce qu'il oui. Oh là, mais attends, ça va jamais rentrer. Non, mais les oui, les écoute-toi, les oui.
Attends, mais il y a un souci de barre de couple, on peut plus rentrer. Non, c'est pas moi, en fait, je t'explique. C'est Zero, il est passé, il a dit marqué nul. Voilà. Non. Si ? Bah non. Les gars, vous êtes bien d'accord, c'est Zero ? Il dit c'est Michel dans le chat. Merde. Il dit c'est pas Hugo, c'est Michel. Tu dis que Michel va bien ? Bah, quand t'as fait le live à la ferme, tu sais que Michel elle va bien. Michel ? Oui. Ah, t'avais mais... appelé une génisse normande Michel. Ah bon ? T'as vu, Rogan ? Oui, regarde, tout le monde dit c'est Zero. Bah allez, je vais revenir dans le live, gros. Au pire, y a qu'une seule solution. Vas-y. Ok. Alors là, mon gars. Dis c'est Zero ? Bah allez, je vais revenir dans le live. Non mais mec, il faut que les abonnés, ça les intéresse pas, gros. Ils veulent voir jouer, tu vois, ils sont là pour ça. Ils sont pas là pour mater des rodis. Je comprends. Non mais oui. Dans le chat, non, remarque. Ah, on va écouter ce qui se passe. Attendez. On va de la caméra de ce côté. Attends, mais mec, t'as pas entendu. Donnez une note de son jeu, de son gameplay. Attends. Ou alors vous marquez tous nuls dans le chat. Non, marquez tous nuls, nuls. Oh, mais mec, alors là, main dans le sac. T'as dit marquez tous nuls, marquez tous nuls. Non. Bah, allez, vas-y. Allez, attends. Vas-y. Merde. Attends, je remets le son. Vas-y. Mais arrête. T'as mis nul, je sais. Ah, ça passe pas. Par contre, on est où notre barre de couple? Ah, tu vois, je vous ai dit. Mais c'est pas Zero. Mais non. C'est pas Zero. Mais non, mais mec, c'est quelqu'un qui a pris ma voix, c'est tout. Ah, bah oui, c'est pas Hugo, je pense. Non. Mais non. Oula. C'est vrai qu'elle est large, la barre de coupe, j'avais oublié. Donc, du coup, la SMI et le tissu. Bon, vas-y, je mets l'usine. Hein. Je mets l'usine, mec, je m'en bats les. Usine. Deux vêtements. Mais Chiana, c'est des balances aussi. Vas-y, c'est des balances. Hugo, du coup, c'est bon, on la met l'usine. T'es chaud? Attends. Du coup, voilà. Non! Mec, je suis fatigué, gros. Bah oui, j'imagine. Non, mais mec, il a foncé. Allez, voilà. Là, mon j'ai gars. Boire un coup. Là, mon gars, t'es même pas prêt, gros. On va avoir nos premiers vêtements de la série. C'est là? Oui, c'est là. Ouh, wow. Yanis, t'es énervé, Yanis? Qu'est-ce qu'il a dit, Yanis? Ah, c'est Borom. Merde. C'est Borom. Non. Ouais, c'est Borom. Regardez-moi ça. Oh, ça... calme-toi, toi, la bouteille. Ah ouais, non mais là, mec, les vêtements. Là, c'est parti, mon kiki. Regarde, ça prend tout, en plus, je savais pas que ça prenait tout à la suite. Non, mais je pense que t'auras un stockage. Bah, il doit y avoir un stockage, ouais. Mais du coup, nickel. Ça prend pas de place. Hop. Hop. Ok. On a comment? On a 13 000 là. Faut juste les mettre en route, merde. T'es prêt à dormir? Oh, mais mec. Mais pourquoi tu l'as mis là, l'usine? Bah, elle est carrément bien, l'usine. Mais non. Bah, pourquoi? Mais gros, mais mec, c'est tout entassé là. Tu t'es cru qu'on était à Paris ou quoi? Bah, non. Comme ça, on en a plein d'un mètre d'autres, l'usine, si on veut. Genre là, ça gêne pas. Moi, j'aime bien comme ça. En plus, t'as accès mais à la. Tu sais, toutes les usines, tu sais qu'on peut les acheter, hein. Moi j'aurais mis devant l'huile de colza, hein. Même un petit peu plus loin. Non, regarde, mon gars est trop serré avec Claude. Bah non, moi j'aime bien comme ça. Non, vraiment, je trouve pas ça nul comme ça. Bah non, comme ça prend. C'est optimisé, tu passes une fois, tu peux vider un petit peu. Là, ce côté-là, tu fais demi-tour, tu peux récupérer l'autre côté tes stockages et t'as la place de mettre encore une autre usine là-bas et faire des petits chemins et tout. Ah, mec, on va pas non plus. Ah, bah mec. Ah, voilà, ligne assumée. Oh, ça remplit plus. Ça remplit plus. Ah, le maximum c'est 15 000 ou pas? Ah non, c'est. Bah, ouais, non, sûrement. Ok, nice. Bon, mec, t'es prêt à dormir? Ouais, vas-y. Quand tu veux, mec. Oula, mon tracteur. Ah, attends, par contre, même si on a. Justement, si on a assez d'argent, on limite acheter un champ. Hugo, ce président, acheter plusieurs champs pour mettre de l'herbe dedans. Si on détruit le champ d'herbe pour mettre les niveaux de stable. Ta vache. Acheter plusieurs champs pour. Bah, pour mettre de l'herbe dedans. Oui. Bah, comme déjà, si on place la nouvelle stabule, on va la mettre tout dans le champ d'herbe. C'est l'endroit le plus droit, quasiment. Oh Hugo! Quoi? On a des tissus. On a des vêtements. On a des vêtements. Mais gros. Non! Mais non! Tu rigoles, mec? On a 350 kg. On a 1000 litres de vêtements. Ok. 1000 litres de vêtements, ça vaut combien? Oh! 22 000 euros, mec! 22 000 euros, une seule petite truc. Mec, c'est quoi le meilleur prix là? Là, on est auquel mois? On est janvier et le meilleur prix c'est. Ah,
C'est dans 3... C'est dans 4 nuits. Donc on a le temps que ça produise. Parfait. Moi, impeccable. Allez hop, on accélère le temps pendant 4 nuits. Mais mec, les animaux. Bah, tous les animaux, ils sont déjà crevés depuis un mois, là. Bah... Attends, non, mais mec, il faut vraiment qu'on fasse du off tous les deux, on spawn, on refait des stocks et on ouvre les vaches. D'accord. Mais faut qu'on fan. Mais c'est ta bulle, mec. Moi, je dis, on vend la grosse et on met une plus grosse. Pas 3. Ah imagine bon. 3. C'est-à-dire que 3, on va avoir la flemme de nourrir les deux petites types de stabilisation. En vrai, je suis d'accord, comme en fait, c'est que moi qui les nourris. Bah, donc, oui. Mais ça veut dire mais que. Attends, est-ce qu'elle a pas une grosse ou alors elle a pas une stabule automatique mais qui a genre 500 vaches dedans, mais on met 500 vaches chez tiens. On fait une grosse ferme de malades. Je sais pas. Par contre, il faut vraiment qu'on mette. Le problème là, c'est qu'on va dormir, et le lait va pas. Le mec, on pourrait vendre du lait pour 100 ou 200 000 euros, on va rien vendre là. Par contre, t'es au courant que. En fait, elle a pas une stabule qui est automatique comme ça la base, mais avec plus de vaches dedans, comme ça va Je sais pas. Après, il suffit juste de modifier la. Ouais. Je sais pas. Alors. Bon, je vais faire une ration quand même. Tu peux mettre de la paille ou pas? Ouais. Non. Ah non. D'accord. Bon, oui. Moi je gueule. Bah vas-y, moi je vais au moins faire une ration. Attends, je crée les enveloppes, mec. Calme-toi. Ah ouais, tu veux carrément regarder directement les enveloppes. Ligne assumée bug. Non, y'a pas de bug. Vous êtes encore 3000, les gars. Allez. Et la bataille, on se l'achète quand? Ah, c'est bon, grosse stabulation à vache. 500 vaches. Stabulation automatique, j'espère. On l'a? Ouais, elle est sur le site. Ouais, gros. 500 vaches. Bah. Plus robot d'alimentation, plus upset les balles. Bah, impeccable! 500 voilà, donc... vaches! Attends, sur Star Mode? Mais oui, mec. Si je mets 500, on trouve ou pas? 500. En soi? Ouais, y'a pas. Ah oui, grosse tabulation, 500 vaches. Mec, t'imagines 500 vaches chétiens. On peut limite acheter ou même la fromagerie avec. 500 vaches. Ouais, mais gros, comment tu fais pour les nourrir là? Il faut 600 000 de. Un robot d'alimentation. Mais avec le robot, ça va être très long. Mais mec, juste à part les 45 vaches à la viande, on met tout en botte. Même limite, on met tout dans les robots d'alimentation. Il faut qu'on fasse full stock d'herbe alors, enfin de bottes. Par contre, je te dis, j'ai pas trop envie de faire de taux chargeage, ça devient trop industriel. Il faut qu'on fasse des bottes quand même, faut garder le côté. C'est marqué, ils achètent les bottes. Oui, je sais, mais les bottes. Tu les mets en. Ouais, on fout les bottes dans le truc. Ouais, voilà, c'est ça. C'est terminé. Ok, t'es parti pailler? Hein? T'es parti pailler? Non, le poil des bugs, il me fait chier. Bah, du coup, tu fais une ration. Mais non, mais tu peux faire une ration avec la mélangeuse. Oui, mais. Tu peux mettre de la paille avec la mélangeuse. Mais y'a plus d'herbe là? Il n'y a plus rien alors. Passe-moi une botte d'herbe, je vais ramasser le reste par terre et dans le champ là. Au moins qu'on fasse une ration. Botte d'herbe, non. Botte de fond. Eh. Et... Il ramasse qu'est-ce qu'il y a là. Et t'as déjà fait une ration là pour les vaches? Non. Et t'as fait une ration pour qui? Là j'ai fait une ration pour les vaches là. Mais j'aurais pas assez avec une botte à mon avis. Non mais il y en a plus, il y en a dans la haie aussi. Ah oui, il y en a dans la haie. J'ai pas l'air poussé. Voilà. Vas-y, pousse. Comme ça, au moins. Ça s'enrage, mon gars, avant de la placer, gros. T'as un sacré stock de paille et tout ça. Bah ouais. 9000 d'herbe, c'est bon ou pas? Ouais, comme ça, l'enrubané, ça va se terminer. Il y aura plus qu'à vider les stocks maintenant dans un de trucs là. Dans le silage. Bon, au niveau de l'ensilage, on a intérêt à faire du maïs et tout. Bon, en vrai, le petit silou, il y en a déjà quand même. Bon, les bottes d'arrivage, voilà quoi. Ouais. Les bottes d'arrivage, ouais, ça reste au coup. Enfin, en tout cas, les vêtements en général. Ah ouais. C'est sûr? On a 242 000. Ça fait de l'ancien silo. Ah bon? Ouais, ça rebug. On en a pas le privé, mec. Bah ouais, mais on peut quand même changer de serveur si on l'appelle privé. Ah. On va aller dans quel pays maintenant? On va aller en Russie. On est en Russie, Hugo. Cool. Voilà. Allez, c'est parti, mon gars. Occasion. Non, j'arrive dans le silo du bas. Occasion. Oh. Ah, mais on s'en fout. C'est parti. Dans le silo du bas, on a combien? Dans le silage, c'est beau.
Je ne sais pas. Par contre, si on fait une grosse tabulation, on a 340 000. Attends, la tabulation de la vache n'est pas bien, il faut des compléments alimentaires si tu veux que les robots alimentent tes vaches. Bah oui, mais c'est pas grave. Justement. On s'en fout. Justement. Les compléments, t'achètes un plateau de compléments, t'en as pour. Non, en vrai, c'est pas grave ça. Attends, le complément de. Attends, je vais regarder combien ça coûte quand même. Ouais, mais bon, je pense que c'est quand même rentable. C'est de en quoi dans le palais, non. Merci en tout cas pour tes 5€, Tom. Merci beaucoup, mec. Merci à toi. Allez, à table. Par contre, il faudrait en déni de fou là, faut refaire de l'herbe. Y a-t-il mon petit classe? Allez, le petit complément classe. Complément minéral. Ouais. C'est 1000€ la palette. Ouais, mais bon, attends, mais tu fais quoi? Une ration et demie avec ça? Bon, au pire, on en achète. Je sais pas combien. Mais oui, on va en acheter plein. On va remettre les pneus larges. 3000 balles. Tu vas faire quoi, là? Bah là, je vais aller en déné. Parce qu'il y a plus d'herbe. Bah, tu vas pas accélérer le temps? Bah, on peut accélérer le temps au pire, mais. Bah, ouais. Ah, tu vois pas qu'on s'occupe d'abord des usines et après on s'occupe des bêtes? Pour les bêtes, on a plus rien à bouffer. Ouais, mais les bêtes, mec. Justement, on rachète avec les usines, on rachète des champs et on fait une grosse. Gros champ d'herbe, mec. Par exemple, le champ 36, limite. Regarde, le champ 36, limite, on le fout en herbe. Ouais. Le champ 33, par exemple, on le fout en herbe. Bah. Avec le champ 38 et 39, ça va faire je sais pas combien d'hectares et voilà. Mais oui, bon, attends, bah, je vais juste faire une truc de paille là, et après, vas-y, si tu veux, on dort 12 nuits, mais au moins que ça produise un minimum de lait, parce que j'aime pas avoir tous les animaux là qui produisent rien. Aide-moi à mettre des bottes, tu peux, dans. Mais quoi? Bah, je vais mettre des bottes dans la pailleuse. Tu sais, c'est pas avec de la paille que les vaches vont produire. Et je sais, mais j'ai déjà une ration, il y a déjà 25 000, au moins ça produira un peu, quoi. On dormira pas pour rien produire déjà. Ouais. Ouais, allez, si, un petit peu. Demain vidéo. Demain, on est quel jour? Non, y'a rien sur la chaîne, les gars. Sur les deux chaînes, y'a rien. Voilà. Bah, là, rien pour vous, mais rien pour nous. Bah, nous, on tourne, mais il y aura peut-être le stream maps à la rigueur à voir si je live sur la chaîne secondaire. Non. Oh, bah, attendez, les gars, à la fin de ce live, je lancerai peut-être en live sur la chaîne Star Mode. Ah ouais, de fou. Ah c'est dans 24 minutes, mec. Bah, est-ce que j'en serais pas en live sur la chaîne Star Mode maintenant? Est-ce qu'on décalerait pas sur la chaîne Star Mode? Merde. Il faut 10 palettes pour un jour, pour 500 vaches. Je sais pas. Ouais, bon, les gars, j'avoue, j'aimerais bien, comme ça ferait un peu de pub pour la chaîne, là, et ça me ferait live dessus. Hein? Merde. D'ailleurs, on a quoi d'abonnés, ouais, sur la chaîne Star Mode, les gars? Est-ce qu'il y en a qui peuvent aller voir qu'on a d'abonnés sur la chaîne Star Mode sur YouTube? Ça serait bien curieux de savoir. Merde. Hop là. Merci beaucoup, Tom. Non, justement, j'ai testé en solo. Il faut 10 palettes pour un jour pour 500 vaches. Bah, ouais, mais après. Après, si tu n'as pas de complément alimentaire, ça produit, mais moins. Non, les robots, apparemment, ils marchent pas. Ah, merde. Bah, oui, mais attends, mais je comprends pas comme dans. Bah, sinon, on prend celle de base, hein, mec. En vrai, on prend celle de base, sinon après, ça va être. Mais on a 80 vaches dedans. Bah. T'as déjà vu une stabulation grosse comme ça avec 80 vaches? Ouais, c'est vrai que ça va. Ouais, non, c'est vrai. T'es complètement débile. Même t'as pas un robot d'alimentation pour on ce 80 vaches. 4035 abonnés. Incroyable. Ah la vache. Bah vas-y, avec tes choix, après on live dessus. Non. Ah. On va me coucher, moi. Ouais, mais moi j'aimerais bien lancer un live au moins. Ouais, voilà. mais moi j'ai pas signé pour 5. Non, t'inquiète, t'as pas, je l'ai. Vas-y, mais ok. Mais pourquoi tu veux live sur la chaîne? Bah, comme ça, ça fait un peu de pub pour la chaîne et ça la monte un peu en abonnés. Ouais, mais elle a pas de vidéo dessus. Ouais, mais comme ça, dès que la vidéo sort, bam! Ouais. Bam! Bam, bam! Bon, abonnez-vous quand même à la chaîne, quoi. Là, voilà. Vacances. Vas-y maintenant. Bah, trop tard. C'est bon, ils veulent pas. De quoi? Bah, Hugo, il veut pas que je l'aille sur la chaîne. Ça fait combien de temps? On est à 1h38 de live. En vrai, on fait quoi? Jamais dit qu'il voulait pas que tu l'ailles sur la chaîne. Hein? Pourquoi tu n'écoutes pas ce que tu écoutes, Hugo? J'ai l'impression que tu prends des décisions. Bah, heureusement que j'en prends. Heureusement, faut prendre des décisions. Bah du coup j'ai écouté Hugo vu qu'il a voulu qu'on achète la batteuse, du coup j'ai pas mis mon usine. Bon, du coup je l'ai mis après. Mais... ouais, il l'a quand même mis, alors tu sais. Et on le stream map, elle va sortir très bientôt. Un farmi est agriculteur. Vas-y, bah Hugo, on peut dormir, ouais. quand tu le sens. Mec, t'es prêt à faire deux semis remplis d'huile de colza, de poule et tout, ouais, ça. Ouais, mais mec. Faut peut-être vider les emplacements, non? C'est pas plein. Je sais pas. Ah, par contre l'usine du haut, mec, fait chier l'autre. C'est celle-là, l'usine du haut. Mec, il faudrait mettre un plateau auto-lo dans l'usine du haut. Ah. Bah. Ah, au truc de filature du haut.
Comment tu fais pour aller sur StarMod? Bah, StarMod. Tu vas sur internet, sur Google. Je trouve pas la chaîne StarMod. Merde! La chaîne c'est StarMod. Mais quand il y a rien, il y a aucun contenu, c'est normal que vous la trouvez pas, c'est possible, ouais. Ouais, c'est sur YouTube, ouais, c'est sur YouTube. C'est une chaîne YouTube qui sera dédiée au site, et en gros, on vous fera des présentations de maps et tout. Voilà quoi. Même Hugo, ouais, il faudrait que je change. Ouais, faudrait que je change de PC déjà pour faire des vidéos sur StarMod. Ouais. Bon, c'est un peu long de pailler, mais au moins, il y aura de la paille. Vas-y, tu peux dormir, Hugo. Ouais, j'arrive. Même si c'est pas fini de pailler, c'est pas grave. Si on la trouve, ok. Non, marqué StarMod. On va nuit d'affilée, après, on va aller voir les usines. Allez, go, les usines, mec. On espère que ça a produit un max. On peut mettre le lien. Ouais. Faut mettre l'usine en distribution. Ah, celle du haut. Ah, bah oui. Ah, ouais. Au moins, ça vend directement et tout pour les palettes de tissu. Mais après, ça fait plus moins de tissu. Je sais pas du tout. Non, ça fait moins de tissu pour l'usine du bas. Ah non, distribution, bah non. Distribution, c'est la rempart, ça la mène directement, je crois. Oui, oui, j'avais mal compris. Vas-y, attends, je la mets. Vas-y. Mais on met tout en distribution, en fait. Attends, parce que là. Là on en a déjà, oh, on a déjà dit, ah oh, oui, incroyable. Et là, attendez, là c'est bon, ça produit, ça dit quoi ça? T'as mis tout en, tu l'as mis tout en production? En stockage, non. Non, bah là c'est en stockage, mais c'est normal. On a 12 000 de tissus, et du coup, si celle-là on met en distribution, let's go. Vas-y, bah tu mets deux en distribution, ah, toutes okay. Les filatures. Pourquoi je peux pas? Ah, c'est là. Alors, tissu, distribution. Comme ça, logiquement, ça, ben, celle-là créée, ça fera pas les celle-là, mais. Au pire, je vais l'amener, elle. Merde. C'est nul Twitch pour les directs, il y a des pubs. Bah, sur YouTube aussi, il y a des pubs. Sur YouTube aussi. Est-ce qu'un jour, les amis est-ce qu'un jour tu dois être en ranking mode? Je ne veux pas être en ranking mode. Je suis très bien comme je suis. Mon petit site de mode, il va très bien. Je. Et ma vie. Tu as Discord. Ouais. Ton site sort des modes PS5. Oui, oui, PS5, PS4, tout ce que vous voulez. Et vous aurez un petit tuto pour les installer sur la prochaine version du site. Allez, on dort. Bon, on enchaîne, hein. Comme le concours photo, c'est quand? Le concours photo, du coup, sortira sûrement sur la nouvelle version du site. C'est-à-dire dans. En fait, on voulait sortir le concours photo sur cette version-là, mais on s'est dit, vas-y, en fait, on fait la nouvelle version. Et on sort ça bien. Parce que sinon, c'est-à-dire qu'il faut le coder deux fois. On le code de concours photo sous cette version et après on refait une nouvelle version, faut recoder avec le nouveau design. Donc on s'est dit T. Oh la thune mec, Hugo. Oh, on aurait dû mettre des oliviers, des orangers. Dommage. Ouais. En vrai là je pense qu'on va être bien hein, niveau thune. Regarde les occasions. On va regarder les occasions. Non, on dort combien de temps là? Attends, ça dit quoi là? Tissu 11 000. Ah, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est quoi? Là, il y a une faucheuse fait là, on est quasiment, mais la queue à un bout de la faucheuse. Oh merde! Mon queue l'avant de la faucheuse. Ah, c'est mort. Ça dit quoi les moutons là? Ils produisent ou pas? Il y a plus d'herbe. On a plus rien, nourriture aux poules, la pu. Ouais, merde. Mais comment on fait des vêtements si on a plus de laine? Non, en vrai, on a encore pas mal de socs, on a encore 39 000 et puis 7 000. Ah. Vas-y, bah écoute, vas-y, hein, s'il faut dormir, on dormira. Hein. Attends, et ça donne quoi la usine? Il produit moins que d'habitude ou quoi? Je sais pas. J'ai goûté. Mais là, non, ça produit. Hein. Les huiles. Ah, les huiles aussi, c'est pareil, ça en est où les huiles? Oh. Attendez, les huiles, c'est. Ah oui, les A, mec, les huiles par contre. Il y a. il y en a en plus en moment qui vont respawn dans ouais. 3. Ça 2, respawn. 1. Touk, touk, touk. Voilà. Allez, on enlève. Allez hop, go faire de la moulin les gars. Allez, c'est on va bon, dormir. Allez, on dort. Vas-y, go, je suis allé dormir. Pétez les likes. Et en attendant qu'on accélère le temps, qu'est-ce que vous avez fait votre journée? Voilà. Vend les vêtements. Bah, on va attendre. Ah, le prix des vêtements. Oui. Même si on gagne que 30 000, on va le faire maintenant. Tu me réponds jamais, est-ce que ça va? Oui. Oui. Pas de chaîne, les gars. C'est bon, tu as trouvé. Alors attends. Du coup, les vêtements, go les vendre alors. Ça vend d'abord les vêtements? Bah, à mon avis, le prix était bon. 31 000. Oh! 31 000 les vêtements? On va let's go, gros. Ouais, let's c'est go. Le problème, ils sont en train de descendre. Attends. Ouais, mais c'est le meilleur prix. 31 000. Attends, deux minutes. Deux minutes. Non, on retard, pas vraiment. Attends, calme-toi, vu. Ah, mais tu veux redormir?
Non, j'ai envie de prix de tout. Ah. Ah bah oui. Tant qu'à faire, autant aller vendre... Bah oui, mais vendre quoi? Bah, ah, les huiles. Bah les huiles, les œufs. Ah huile, par contre, c'est pas full prix. Ouais, les huiles de colza. Bah sinon, bah, on peut les charger et on les pose sur le côté, mais... Comme ça... Mais attends, les palettes, on a combien? Les palettes de vêtements, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 fois 3, pas mal quoi. Ouais, même si on a accès à le temps, ça descend de quoi? 28 000 max, je pense. Bon, peut-être les autres prix vont peut-être augmenter. Ah, on arrive maintenant. Mais au pire, on vend même les huiles. On vend même les palettes d'huile. Hein. Non? Attends, en vrai. Attends, les vêtements, c'est quand ça vend le plus cher? Vêtements, c'était maintenant. C'était la nuit d'avant. Et là, ça va faire que en descendant, je crois. Ouais. C'est en chute libre, mais l'huile de colza, en fait... Elle monte. Ouais. Bah, mais bon, ça sera jamais... vent que vêtements. Vent avec le pick-up. Ouais. Ah ouais, avec le pick-up. Bah, j'amène tout là-bas, au pire, au moins, ça sera fait. Hein. Bah attends, t'as sous-chargé de l'huile de colza? J'ai chargé toutes les huiles, comme ça, au moins. Je vends que les vêtements s'il y a besoin, mais au moins, les huiles seront là-bas. Donc on a réussi, on aura accès à temps, au pire. Au pire, et on vend ça, et déjà... Et si on pouvait s'acheter la batteuse ce soir, ça serait bien, quand même. On a 15 minutes pour les amis pour s'acheter la batteuse. Donc ouais. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On va faire 150 000 euros de vêtements normalement. Et après 10. Je sais pas, c'est quoi le prix de. Attends, 2. 4. 5, 6, 7, 8. Et 80 000 euros d'huile, c'est ça? Non, mais. On fait 80 000 euros d'huile et 150 000 de vêtements, c'est ça que j'ai compris? Ou enfin que j'ai compté? Je sais pas si j'ai réussi à bien compter, mais en tout cas, j'ai essayé. Oh, attends, il faut que je regarde. Prenez le champ 44. Ouais, 44. On l'a pas déjà, ce 44. Et les camions, okay. Je sais pas, au final, je sais pas si on se prend un camion. Hein. Vu qu'en vrai, il est bien. Enfin, il est bien. Ça, la SMI a fait l'affaire. Un camion, c'est bien, c'est vrai, mais bon, je sais pas trop. En tout cas les gars, du coup, rendez-vous comme j'ai dit, je vous le redis 50 000 fois, mais déjà abonnez-vous à la chaîne StarMod et rendez-vous mercredi prochain pour un live. Live à partir de 16h. C'est rare que je live à 16h, les amis, c'est vrai. Mais c'est un gros live et j'ai quand même envie de le faire. 16h, ça serait vraiment cool. Allez, accélère. Mets la filature en distribution. La filature. Ah, la filature du haut. Tu l'as mis, Hugo, celle du haut ou pas? Moi, j'ai mis celle du bas. Non. Ouais, j'ai mis celle du bas parce que bon voilà. Merci Erwan pour tes 5 balles, les œufs. Ouais, mais les œufs. Ok, mec. Ah, on aurait dû amener les œufs. On accélère encore 1, 2, 3, 4 jours. Le prix de l'huile de colza et des œufs sont au maximum. Okay. Et tant que t'ailles vendre, moi je vais nourrir les poules. Donc je vends que les vêtements là. Et puis. Je vends quand même l'huile que j'ai là. Non, je vends que les vêtements. Et du coup, il faudra revenir chercher les huiles. Ah, tu recharges les huiles, ouais. Bah, du coup, faut que je revienne à. Oh non. Mais si, mettons, il faut charger les palettes d'œufs. Ah ouais. Moi j'ai nourri les poules, au moins comme les poules. Ça fait que bug, mais non, ça bug pas. Merci du coup pour tes 5 balles, Erwan. Merci mec. Merci pour les 3000 pouces bleus, hein. 3700 pouces bleus. Oh quoi? On va arriver aux 4000 likes sur ce live là, c'est une seconde. Ah ouais, enfin, non, chaîne principale, pardon, mais. Mais quand même, merci beaucoup d'être présent. Allez, accélère. Vous aimez toujours celle qui reçuit, hein. Je trouve quand même que. Quand même, hein. on enchaîne les lives, on fait nos petits trucs, nos petits bails, et vous aimez. Alors je pense qu'on va calmer le rythme quand même. Mais parce que du coup, bah, logiquement, vu qu'il y a un live mercredi, ouais, on verra. Merci Erwan pour tes 5 balles. Bientôt les 60 000 sur Insta. Non, alors le compteur Insta est bugué. Je devrais l'enlever en fait parce qu'il est figé depuis je ne sais combien de mois. À chaque fois, je me dis, ouais, il va se débloquer, mais à chaque fois, il se débloque pas. Donc je pense que le compteur Insta, je vais l'enlever, je vais laisser que le compteur de likes vu qu'il est bugué. Donc bah du coup les amis, si vous pouvez vous abonner au compte, à mon compte Insta, ça serait vraiment cool, mais parce que là sur Instagram les amis, on est actuellement à 63 600. Les amis, si tout saute ce live, s'abonne à mon compte Insta, il y en a forcément des nouveaux que, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé d'Instagram. Donc s'il y en a qui ne seraient pas abonnés à mon compte Instagram, vous ne vous trompez pas, c'est Bastien-Dubaster. Et encore une fois, si vous recevez un message privé d'un faux compte de moi, vous pensez que c'est moi, ce n'est pas moi, d'accord? Je vous enverrai jamais de message. Donc mon vrai compte, c'est Bastien-Dubaster. Et c'est aucun compte autre que Bastien off-du-bas, Starview secondaire ou quoi, ça n'existe pas. Donc c'est Bastien-Dubaster. Et puis let's go les gars, go passer les 64 000, ça serait insane. 63 600 on a, exactement. Allez les gars, let's go. Je compte sur vous.
à la fin d'avoir vendu mes vêtements, faut qu'on ait 64 000. J'ai pas Insta. Ah. Bâche. Ah. Mec, t'es prêt, Hugo? Mmh. Est-ce que tu es prêt, Hugues? Bon, que les vêtements. Ouais, hein. T'inquiète, je manque les vêtements. Alors, une seule palette de vêtements, Hugo. Attention. Et... 31 000. Ouais, c'est bien ça. Hein. 31 000. Je suis mort. Regarde l'argent. Ah ouais, mais les vêtements, par contre, c'est la folie. Hein. Les vêtements, mec, ça nous rapporte. Et elle vaut combien la batteuse? 400 000, non? Mmh, ouais. Bah après, Attends, je regardais combien elle vaut la batteuse. Oh, on a un Lamborghini d'occasion. Ah. Ouais, non, Lamborghini, Baron, c'est pas trop. Oh, Erwan, merci beaucoup pour tes 10 balles. Oh, merci. C'est un Lamborghini, Memo. Merci beaucoup, mec. Merci, Erwan. Merci. Bon, allez, reviens. On redort. Ma mère l'ouvrier, on redort. Vas-y, et puis, on charge. Pardon. Quoi, qu'est-ce que tu t'as. Quoi, qu'est-ce que t'as dit? 331 000 euros la batteuse, mec. Donc, on a assez d'argent. Mmh. Qu'on a assez d'argent à partir de maintenant, je crois, vu qu'on a les usines, enfin les pommiers qui vont apporter, la petite antenne et tout. Donc là, logiquement, on a 31 000 euros. Enfin, 331 000 euros. Non, mais t'es au courant, il faut acheter la barre de coupe, mec. Eh oui. Il a fait autre. Ouais, mais il y a tous les œufs à vendre, vas-y, c'est bon. 328 000 euros, on a perdu autant d'argent là, il y a eu un souci. Bah non, mais mec, on a 4 000 euros de. Merde. Bah de frais, tout ça. Animaux, matériel et tout ça. Donc ça, les frais, il n'y a pas de frais. Bah, bien sûr, on a des frais. Ah. Ouais. Vas-y, je le ramène, hein. Attends, là, il faut encore dormir. Au moins jusqu'au mois d'octobre. Pour vendre de l'huile de colza. Vas-y. Attends, deux secondes. Je planifie juste l'ouvrier pour qu'il revienne. C'est bon. Ok, on enchaîne. Vas-y, tu peux dodo. Allez, on dort. Est-ce que c'est vraiment cheaté, ça, maintenant. Ouais, c'est un peu cheat. Allez, pour ça, pour fêter ça, jus d'orange. J'aime pas celui-là, là. Lui, il est sans pub, là. C'est du OGM ou je sais pas quoi, celui-là. Enfin, je sais pas, c'est du bizarre. J'aime pas ces jus d'orange. Moi. Mais ça peut des oranges, chez toi. Le camion Mercedes, c'est un mode incroyable. Ah ouais, il y a un Mercedes. Mais allez, on enchaîne. Mercedes. Lequel tu parles? Lui? Lui, il vous plaît? Ouais, oui, il a l'air sympa. C'est lui qui l'a mis celui-là. C'est notre Hugo, non? Pour mettre Condor? Attends, lequel? Le Merco Brou. Ouais, c'est moi. Ouais, c'est moi. Objectif 4000 likes. Oh mec, est-ce que t'es prêt à avoir des sous là? Parce qu'ils disent mettez la chaîne Star Mode. Star Mode. Allez, on va plus que de nuit. Elle est où la chaîne Star Mode là? Filtre. On mettait chaîne. Attends, vas-y, dors. Oh, les poules, Hugo! Oui, mais attends, je suis en train de manger. Manger la crash. Ah. Manger la crash, gros. Non. Je peux plus rien faire. Je te jure. Ah merde. Mais toi aussi? Bah non, je suis en train d'enlever les palettes. Je redémarre le jeu. Du coup, c'est ça la chaîne, les gars. Je vous la mets là. Bah, pas en description. Faut que je pourrais la mettre en description. Bah je l'ai mis en description sur live s'il y a mes je marquais chaîne. Bon je marque juste Ah oui. Bah c'est incroyable. Chaîne Star Mode. Bam, comme ça vous vous abonnez si vous voulez à la chaîne les gars. Normalement attends, ça. Attends, vas-y, attends, j'essaye d'accélérer le temps au plus vite. Au moins tu t'auras pas les nuits sur le live. Vas-y. Du coup c'est 4000, on a 4500 abonnés sur Insta. 4053, oh ça augmente. Sur Insta, sur voilà. Et All Stream Up, je sais pas quand. En gros, on a un truc pour voir les modes en test là. C'est là, les gars. C'est tous les modes en test du mode up et des consoles, tu vois. Et All Stream. All Stream, elle est où All Stream? All Stream, elle y est plus. Elle a été acceptée, All Stream? Comme? Bah, en test PC, elle est passée. Mais en test console, elle y est plus. Donc, à mon avis, les gars, ça risque de sortir. Bah, y est pas. Non, elle est pas passée. Elle a été refusée? Ouais. Il y a 1121 modes en attente de... On a combien? 63 600. Bah du coup, personne ne s'est abonné, quoi. Super, merci. Bah super. Bon, bah tant pis, hein. Écoutez, c'est pas grave. Non, refusé hier. Ah, merde. Du coup, merci Arwan. Merci Arwan pour tes 5 euros. Oh. Allez, encore une nuit et go faire de la moula. Bah ouais, gros. Tu sais où je loue une autre semi et puis moi, je charge les deux, toi, tu vas chercher l'huile de colza. Alors Déjà, est-ce que le tracteur est arrivé?
Non. Il a pris l'huile de cosa en train de monter. Où est-ce qu'il s'est bloqué, le con? Ah, il s'est pas bloqué, hein. Ah oui, il est là, il s'est pas bloqué. Mais... Vas-y, on peut encore dormir une nuit, puis c'est bon, je crois. Ouais. Putain. Plus gros, qu'on fait de la moula. Mets les filatures en distribution. Achète les Mercedes. Ah, vous voulez qu'on prenne les Mercedes? Ah ouais, il y a qui fait le coup. Une question, t'étais à charger l'huile? Recharger l'huile. Bah non, je vais la charger. Non, mais l'huile que t'as déjà emmenée. Ah oui, là, je l'ai amenée à l'usine. Ah, tu l'as déposée là-bas? Les poules, mec, faut enlever les œufs. Mais c'est bon, là, c'est fini. Bah non, il y a encore le message d'erreur. Non, mais c'est bon, là, on a d'accélérer le temps. Ah. Bon, l'huile de colza est à 5300 euros. Ok. Tu prends toutes les palettes d'œufs ou il y en a où tout va passer dans la SMI? Attends, je joue un camion, je loue un camtar du seigneur. Vas-y. Il est moche, Oui, le Mercedes, là, qui veulent comprendre le Mercedes? Bon, on verra ça. Prochaine fois, si vous voulez, petit Merco. Hein. Pourquoi il refuse le stream up alors qu'il accepte plein de modes de Mercedes? Hein? Mais non, mais attendez, mais qu'est-ce que vous racontez? C'est pas moi, j'ai aucun rapport avec le stream up. Hein. Ah merde! Ça, c'est les modes du mod-up. Les mod-up, c'est Farming Simulator. Donc, moi, il n'y a aucun rapport avec Mercedes. Moi, dès que le mod il sort, à l'instant où il est sorti, il est sur Star Mode, les gars. Et vous pourrez tous le télécharger. Vous aurez. Non, en plus, vous allez recevoir des notifications. Ceux qui sont abonnés au compte Star Mode, amis. Chercher les palettes 2. Ouais. J'y vais. Ceux qui sont abonnés au profil Star Mode, vous recevez une notification dès que. Si vous êtes sur le site, dès que les mods sont mis en ligne. Donc. Puis là, les mises à jour vont arriver, il y aura des mises à jour. Allez, moi j'ai le jeu colza. Vas-y. Allez, ça charge. Attends, je vais récupérer le poulailler là. Ça bug, Ster. Non, ça va. Oula. Non, mais on peut pas télécharger les mods de Star Mode sur console. Hein. Non. Impossible sur aucun site. Ah, oh, t'as racheté une Starliner, il y a deux Starliner. Mais mec, du coup. Ah ouais. T'es parti à l'usine là? Ouais. Oula. Heureusement que ce mode. Du coup, on va faire de la moula là. Bah ouais, j'espère bien. Allez, vous dites combien, les gars? Mais attends, on y est pas encore. Mais on a pas mal de palettes là, quand même. Oh, j'ai vu la semaine a dérapé, monseigneur. Non, mais là. Rappelle les TikTok de nous là, enfin de toi quand tu avais la SMI, c'était drôle. Ouais, mais j'avais le JD quoi. Peut-être. Ok, c'est bon, j'ai tout chargé, mec. Hein. On a 64 000. Oh la thune qui va tomber. Oh, ça va faire plaisir ça. Ça va faire grave plaisir. Là, le million, tu penses où ou pas? Le million? Tu penses ou pas? Attends, je sais pas. Attends. Okay. Le chat, est-ce que pour vous le million. Comment ça avec le trio à chenille, vous êtes des malades? Ouais, au cas nul. Non, pas de trio à chenille, on prend une 7000 ou une 5000. Les trions, les gars, je sais pas. Non, on était parti pas sur une trion. Comme ça? Quoi? Ah non, d'accord. J'ai peur, je croyais que t'avais plus d'huile de colza. Ah. Et il reste des cartons ou pas de vêtements? Je sais pas, j'allais voir. Non, si le prix est toujours bon, voilà quoi. Let's go. Nanana. Essaye le Merco en le louant. Mais le Merco il est pas sur le serveur. Enfin, je crois pas que je l'ai mis. Je l'ai juste. Il est sur Star Mode, mais ouais non. Tu attends Hugo ou pas? Vas-y, attends-moi. Vas-y, ouais. Je vais regarder le prix là. Non, freine. Le prix donc. Le prix des vêtements. Jus de raisin et tout. On n'a jamais fait de jus de raisin. Alors, Digesta, Chou, Herbicide, Pierre, Mobilier, on n'a jamais fait de mobilier. Chocolat, ça vaut le coup, hein, Skip. Raisin sec. Ouais. Bon. Et céréales, ça vaut. Oh, ouais, céréales, c'est bien. Pardon. Le 16 000, hein. 16 000, et c'était à 31 000. Hein. Donc, après, le prix, il monte, mais c'est la cata. Ah non, faut pas, mec. De quoi? Vendre les vêtements. Prends pas les vêtements. Ah, trop tard. Bon, bah, on les laissera là-bas. Ils ont refusé sur le stream qu'il y avait un problème de shader pour les consoles. Les tests sont terminés en DL. Bah, 16 000 okay, euros, bon, c'est déjà bien. Prends le Mercedes Sprinter, mec. C'est un mode de prochain. Ouais, ok. Ah, le MK3. Le MK3. Ah, mais tu veux que je prenne Ils veulent que je prenne le MK3. Allez, à plus. T'es où? Oh, connard. Pardon. Mec, t'as pris un camion? Mais mec. Mais attends, mais pourquoi tu m'as dit t'attendre? Pourquoi je t'attends? Mais mec, j'ai pas pris un camion, gros. C'est toi qui m'as lu. T'as pris un camion. Regarde, je suis à fond là. Oh là là. Ah, attends, on va faire un truc. Ah, tu vas bouser. Vas-y, passe sur le déco, mon gros. T'as combien de litres dans ton truc? 12 000 litres d'huile et 5 000 de vêtements.
Ok. Donc toi t'as combien? Moi j'ai 64 000 d'œufs. Et là-bas, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'huile encore là-bas. Ah bah, wow. Les amis, un petit est-ce que vous pensez que le million, on l'a? On a quand même 700 000 euros à faire, hein, quand même. Hein. Ah. Donc, ça passe ou ça va? Attention. Ça passe. Attention. Oh, mais non, mais... Oh, quel bâtard, il a réussi à trouver droit. Même. Vas-y, tu dois essayer de me rattraper, mec. Merci. Mion. Hop, les vitesses là, bam, coup de palette, comme dans une Porsche. T'es passé par là toi? Bah mec, flemme de prendre la montée et tout là, c'est chiant. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le chat il dit non. Ah bah ok, ils disent que non. On va pas voir le million? Ouais, je sais pas, ils disent que non. Bon, en vrai, je crois que les gars, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense ouais. 500 000 déjà. Tu as assez pour un triant. Non mais une triant, non on prend pas une triant les gars. Une triant c'est pas un système bien. Qu'on prenne les 6000, 7000. Enfin, en vrai, c'est un système de battage mieux. Après, dans farming, ça n'a aucun rapport, mais ça change rien. Mais les filatures en distribution. Mais on a déjà fait ça. Même. Tu me doubleras pas, mec. Non, mais non, un camion ne roule pas dans l'herbe. Un camion ne roule pas dans l'herbe, Hugo. Hugo, un ah bon camion ne roule pas dans l'herbe. Ah ouais, vas-y. Okay. Ah ouais, t'es sûr? Non, toi, tu vas voir. Vas-y, je ralentis. Vas-y, passe-moi. Ouais. C'est bon? C'est bon? Salut mec, ça va? Ça va et toi? D'accord, qu'est-ce que tu fais? Ça va. Hop là. Oh! Non! Ah, tu es sur ton côté de la route! C'est flou. Chauffard! Allez, accélère, camion, enfin voiture, enfin truc. Attention, virage serré. Tu veux prendre encore plus grand? Mais. Okay. Ah, merde. Et t'as pas vu le poteau ou quoi? T'as vu flou? Bah non, j'ai pas vu le lampadaire. Il a vu flou le Hugo. Vas-y, attends, je vais charger les palettes. Les palettes d'huile. Vas-y, mon gros. Vas-y, t'es prêt, on vend tout en même temps. Ouais. Nanana. Ok, nice. Attends, Hugo, tu te mets où? T'es prêt? Vas-y, je me mets à tout à gauche. Ok, 3, 2, 1. On va sur la zone. C'est parti. Ça vend ou pas, toi? Ouais, je prends un truc, faut que j'ouvre le rideau. Ah ouais, ça vend. Oh, l'argent qui monte! 500 000 euros! Oh là là, si ça va le faire, mec, ça va le faire. Ah, t'es déjà presque vide. Merde! Ah, le million compliqué. Hein. Compliqué pour le million, Hugo. Compliqué. Après, je passe dessus. Mais alors, ouais, enlève les sons. Merci, petit Lu, pour ton sub. Merci beaucoup. Ah bah, ça vend plus. Si, ça vend. Ah, t'as encore des vêtements? T'as quand même vendu des vêtements? Ouais, bon, vas-y, hein. Bon, allez, quand même. 600 000 euros. Moi, il m'en reste encore, hein, donc. Attends, je vais reculer un petit peu. Allez. On va arriver aux 700 000, hein, large. Hein. Large 700 000 euros. Attends, je suis pas sur la zone en fait. Ah, les vêtements. Tu as assez pour. Mais pas arrêter de dire triant, c'est pas un triant, c'est une triant. On dit pas un moissonneuse. Waouh! Wow. Mec, c'est là. Bon, je suis bloqué dans la SMI. Attends. Yeah. Aïe aïe aïe. Ah là là, les ventes. Et en vrai, 800 000 quand même, pratiquement. Pratiquement 800 000 euros, Hugo. T'es où là? Oh, je suis bloqué. Tu peux pas partir avec ta SMI là? Attends, je l'ai. Merci. Allez. 800 000, on va y arriver, hein. Avec les vêtements. Ouais, on va y arriver. Ouais, quoique. Si. 800 000 euros. Hugo, il y a un truc que j'ai... Tu sais qu'on si on va vendre le lait. Oui, il y a le lait. Il y a le lait, gros. Si on va vendre le lait, on est... On est go, mec. Hein. On a les millions. On a re le million d'euros. Oh, mec. Le million. Bah, je vais vendre le lait. Ouais. Allez. C'est sûr que t'auras assez. Ouais. Ouais, ça a fait très limite pour le million d'euros avec le lait. Attends! On n'est pas un prêt à la banque? Ah non. Non. Ah, mais t'as laissé la SMI ou tu l'as vendu? Non, j'ai déjoué. Ok. Et le camion? Moi, le camion, je me renais avec. Ah, ok. Pardon, tétite! Oh! Tu me fonces dedans là? Ah ouais. Attends, je vais te montrer un truc que j'ai fait avec Zero pendant les pivots. Ah ouais? Niam.
Mais t'es pas mort? Bah non. Ah ok. Et moi si... Mais moi j'ai pas fait ça moi. Aïe. Oh non. Oh non. Je me suis kéblo. Salut Star, demain je suis pour tes vidéos au top, merci. Ah mais il est rola. Il est rola le Hugo. Bah ouais mec, demi-tour. Prends le camion pour le lait. Le camion on l'achète au final. Mais du coup le Mercedes on... Bah pire on achètera le Mercedes, ce sera plus simple. Attention, danger public en approche. Dégage. T'es où? Ça passe, ça passe, ça passe. C'était limite hein. Mais les Giro. Ah vieux, le rétro, il a plus de rétro là sur l'auto. Mais les Giro. C'est pas le Giro. Tic, tic, tic. Et le clignotant. Nyouk. Comment t'es passé vite mec? Ah je vois pas ce que je fais. Ah, ça c'est dit comme ça mon cousin. Mec en vrai ouais. Et du coup on achète quoi au final Hugo? De quoi? On achète bah, quoi comme Bah tout des blocs. Comment il tourne? J'ai drifté mec, t'as lu? Et t'es où? J'ai drifté. Ah ok. Bonjour. Attends je vais te montrer. Attention. Gnou. Vas-y, le premier arrivé à la fin a gagné. Même. Vous avez la SMI? Oui. J'arrive mec. Tu vas pas. Ah si tu vois, t'es trop loin mec. T'es trop loin, cherche pas. Oh. Je te vois dans le rétro là. Stop, faut tourner. Oh, merde, c'est pas là. Ah mais Hugo c'était pas là, on est trop con, on a tourné avant. Non moi je vais juste te pousser. Oh, non, c'est bon. À la SMI hein. Mais attends, non, pas à la SMI. Où ça alors? Pas à la SMI. Bah où ça? À la SMI. À la SMI hein. Bah non, la citerne. Attends, je me suis coincé là. Mais mec, t'es niqué et tout. Mais regarde là, j'ai une merde. Pardon. Merde. Oh non mais Hugo. Ah je fais une stabilisation. Une stabilisation. Bon, salut. C'est le correcteur ça. Ouais je pense aussi. Ah mais tu peux l'atteler, je suis trop con. Ah oui je pensais que t'avais besoin d'une doulie. Ah ouais, non. Par contre là comment... Ouais go remplir le lit. Il en reste beaucoup à l'intérieur ou pas? Zéro. Hein? Si, bah, il y a 34 000 de lit. Ah je peux aller dans un site. C'est où? C'est là? Ah non, ouais ouvre le capot, faut que t'avais ouvert le capot. Bonjour. Ah là go charger du lait. T'en as pas un truc à vendre? Oh, c'est trop bien, regarde, les gars, ce mode installé absolument ce mode. Hein. Quand vous jouez en multi, les gars, c'est trop bien. Vous voyez ce qui se passe et tout. C'est trop bien. Et attends, est-ce que si je m'en vais de la zone, ça marche? Ah ouais, ça marche quand même. Bon, on a plus de lait. Vous voulez vendre non, ça? Non, hein. T'as combien dedans? 34 000 litres. T'as 34 000? Ouais, bon, bah vas-y. Hein. Tu me suis ou tu veux conduire? Ah non, vas-y, va vendre. Hein. Va vendre mon petit Hugo. Bah là du coup on va en dénier ou on arrête le live? Bon, on va arrêter. Hein. Je pense. On va vendre la SMI quand même. Bon, on va vendre la SMI. Et attends, la batteuse on l'achète ou pas du coup? Ou on jettera dans le live? Bah non, je dis au fait je suis pas là moi. Ah bah du coup autant en faire maintenant. 750. On prend laquelle du coup? Ah non c'est pas le même prix en fait. Ah non si ça. Parce que du coup on prend laquelle? Ça coûte vite cher ça. Imagine avec 500 volts chez tiens, le lait qu'on va avoir. Ouais. Mais après, je pense qu'on peut prendre 18 000 de Dremi. Ouais, mais 600 000 euros. Mec, c'est pas pour encore. Hein. Pour l'instant, on prend pas ce modèle-là, je te le dis. Hein. Pour oui, l'instant, on prend un 5003. 5004. Bah, vas-y. Hein. Ouais, 5004, elle coûte 346 000. On a 10 000 de Dremi. On avait pris la 5005, je crois, non? Non. Ah non, c'est mort, le million on va pas l'avoir avec le lait. Ouais, on avait pris la combien, la 5005? On avait pris laquelle? 5000. Non, mais dites pas X9, les gars. La X9, c'est trop gros pour notre ferme. Zero, il a acheté, mais il avait pas les parcelles pour, donc ça sert à rien. Oh, il l'a acheté avec 3 hectares. Bah oui, c'est inutile. La 8009. La 8009. Je pense qu'on va se prendre peut-être pas la 8009, parce que la 8009, c'est celle de base. Attends, quoi? 8009, elle coûte 489 000. Et si on prend celle-là, qu'on la met en 8009, elle coûte 600 000. Ah ouais, d'accord, autant qu'on prenne la 8009 de base. Ben ouais, mais on prend la 8009. Hein? Pas la 8009, elle est trop grosse. Bah. Bah, pour moi. Ouais, mais les chenilles, c'est la base, j'aime pas les chenilles.
Et on peut les changer, non? Ah non. Ah non, tu peux pas. Le chat, on fait quoi là? Parce que 8009, c'est trop gros. Ça sert à rien de prendre, ça. Oh, l'argent monte. Ouais, c'est pas. Moi, je dis la 6008, elle serait déjà bien la 6008. Il y a 12500 trémi. 6008. 6009. 7000. 7005. 7006. 7007. 8007. 8008. Dire, mais celle-là, elle est insane. Non, mais du coup, non, on va prendre la 6000. Celle qui fait au moins 12000 de trémi, je pense. Donc celle-là. Celle-là, elle fait 12000. Celle-là, elle fait 12000. Distribution, on la met en combien de mètres? En 13 mètres. L'abuse, du coup, non, pas 7XL. En 4XL. En 3XL. XXL. XL. L. Je sais pas en quoi faut la mettre. Hugo, t'aurais mis comment la vis? En 4XL, je pense. Ouais, quand même. C'est gros 4XL, non? Bah, non, mais tu dis que la barre de coupe fait quand même 12 mètres. Ouais. 8009. Mais non, mais pas 8009, les gars. C'est beaucoup trop gros. En vrai, on pourra l'améliorer, hein, mais. Mais en fait, le problème. Vu, quoi, sur celle-là. Hein. Celle-là? Ouais, celle-là, elle est bien. Elle, que... la on va quand même prendre les 4XL. Ok, let's go. T'es prêt? Vas-y. Ok, c'est parti, mec. Let's go! C'est acheté! N'amènera pas de 8009. Maintenant, la barre de coupe, par contre, qui va être une barre de coupe de 12 mètres. De 12 mètres. On a celle de 13 mètres 8 de la Extreme Class Pack. Non, mais 13 mètres 8, c'est gros. Hein. Ouais, non, c'est trop gros. 13 mètres 8, on avait pris c'est... Non, on avait pris 12 mètres. Ben, on reprend la même. Bah oui. Non, il n'y a pas 12 mètres. Bah où non. On avait pris la... non, on avait pris celle-là. C'était la 10 mètres. 10 mètres... C'était la 11 mètres qu'on avait pris. Vas-y, on va prendre la 11 mètres. On reprend la 11 mètres. Et en chariot, par contre, on va prendre le bon. Et on va prendre... c'est lequel qu'on prend en chariot, Hugo? Je sais pas. Le... Lui, il a l'air bien, lui. Ouais, lui, c'est bien, lui. Ok. Ouah, l'argent, par contre, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Tu l'as... T'as la batteuse, là? Ouais. Vas-y, ça... nice. Vas-y, vas-y. Limite, on peut même acheter mon nouveau tracteur, mec. Regardez-moi cette batteuse. Regardez-moi ça. La 6008, elle suffit, hein. Pas la peine d'avoir plus gros. Hein. Avec le tracteur. Bah, non, go acheter des hectares. Hein. Bah, là, ouais, comme ça, on a de l'argent pour les hectares. Hein. Ah, bah, non, on fait quoi, la stabule ou les hectares d'abord? Non, moi, je veux hectare, pas stabule, je te jure. Ah, non, non. Même en vendant l'autre Même en vendant l'autre. La petite? Non, mais non, le problème, c'est que si on vend la grosse, ça casse tout. Et si on vend la petite. Ça casse tout aussi. Si on vend la petite, attends, juste je veux tester. Là, je veux voir, hein, la grosse animaux. Par contre, on prend pas celle à 500 animaux. Ah bon? Bah, ou alors, on met pas 500 animaux parce que ce sera vraiment trop. Bah, non, mais on prend ça sur la 500, mais au pire, on va passer de 80 à 500. Animaux. Non, enfin, on passe de 80 à 200 max, tu vois. Mais du coup, il faudrait la mais mettre. Mais c'est la même ou pas celle-là à 500? Et oui, c'est la même, c'est juste les robots d'alimentation qui changent. Par contre, dans quel sens on la mettrait? Ah bah oui, t'as mis des armes. Non, mais après on peut la mettre comme ça. Parce que en fait, sinon, sinon il faut qu'on aille à l'extérieur enfin, dans le champ pour nourrir nos animaux, tu vois. Ah non, c'est nul. Ouais. Si je la mets exactement pareil, bah du coup, il faut qu'on aille dans le champ. Et après, la parcelle de... Enfin, tu sais, le terrain pour les animaux, c'est nickel. Enfin, ils se baladent nickel. Si je mets dans ce sens-là, c'est peut-être plus logique. On va au bord là. Et... Ah, quoique, non, en fait, ça peut le faire. Parce que l'enclos, il dépasserait pas trop. Enfin, il dépasserait un petit peu, mais bon... ça pourrait le faire. Par contre, il dépasserait en long. Attends, tu veux mettre l'enclos dans le champ de 42, là? Tu regardes live ou pas? Bah oui. Bah comme ça en fait, j'aimerais mettre. Exactement comme ça. Genre on vend l'ancienne, on met ça dedans, on met ça à la place. Ouais mais l'enclos il va aller dans le champ 42. Bah il va aller légèrement. Non il va pas y aller en plus, il va aller au niveau du chemin. Non. Il va aller au niveau du chemin, c'est ouais. Sûr. Ouais, c'est sûr.
Ouais, je sais. Et après pour, ouais, nourrir les animaux, après, pour nourrir les animaux, on serait comme ça, quoi. Merde. Allez. Comme c'est qu'on serait, on serait comme ça, donc je sais pas si c'est assez grand, tu vois. Regarde le live, tu vois. Mmh. En gros, pour nourrir les animaux, faut qu'on passe derrière et c'est une petite zone, tu vois. Ouais, mais après, si on donne du foin ou, de la baie, ou des bennes, ça va peut-être passer. Ouais, après, au pire, on coupe quelques arbres et on peut aller un peu plus loin déjà, mais. Le chat, t'as pensé quoi? Mais peut-être plus en arrière, regarde, comme le silo, ça va peut-être pas le faire avec le silo. Et comme ça. Ah, sinon, on fait comme ça en fait, je viens de penser. Dans ce sens-là? Comme ça. Bah, comme ça, en fait. On est con. Bah, oui, comme ça. Comme ça? Ouais, on fait sur 120. Et par contre, la vente serait combien? Ah, il faudrait vendre les animaux d'abord. Ouais, ouais, ouais. Oui. On réfléchit à ça. Et à la place de la petite, bah non, mais la petite, on va garder les animaux à lait. Ça va aller très bien. Enfin, à viande. Puis, ouais, à viande. On garde nos petites bêtes à viande. Donc, on fait ça. On fait ça. Bah, du coup, bah non, logiquement, il faudrait le faire plutôt en vidéo qu'en live. Hein. En live, ouais, en tous les cas, on n'a pas d'argent. En tous les cas, en live, donc live de jeudi, on charbonne, on fait full thune, on re. Jeudi, je suis pas là, alors tu vas faire de l'argent tout seul. Ouais, et lundi, prochaine vidéo, on achète la stabule. Si on a l'argent. On aura l'argent. Je pense déjà, avant d'acheter la stabule, déjà, il faut faire pas mal d'air. Pas mal de sacs déjà. Bah, déjà, faut qu'on resème tout et pendre un petit peu partout. Donc là, il y avait 2 minutes d'écalage, j'ai avancé. Je sais pas pourquoi, des fois, ça fait ça. Tu n'es pas le seul, t'inquiète. Ouais, il faut cliquer sur le petit bouton direct. Si le rond direct, il est pas en rouge. Monte le classe que je voulais me prendre aux abonnés quand même. Ah ouais, avec la batteuse, elle est toute neuve. De 6. On a une nouvelle batteuse. Attends, tu dis c'est lequel? Arion 600, ça chunk. Arion. Oui, Arion 600. C'est juste pour remplacer notre 600, pour prendre un nouveau, ah, nouvelle génération. Et c'est un mode ou pas? Non, c'est un mode. C'est le mode que j'utilise. C'est lui ou pas? Non, non, dans tracteur, dans petit tracteur. Ah. Hein? Dans petit. Oui. Bah, on a dans la ferme, on a un Arion. Et ça, c'est un nouveau. Attends, je regarde, attends, un petit délai de décalage. C'est un X. Ouais, voilà, regarde, c'est un stage 5. Regarde les autocollants. C'est quoi la différence? Non, regarde l'intérieur. Regarde l'intérieur de celui-là et regarde l'intérieur de l'autre. D'une autre. C'est un 660 là. Et nous, on a quoi? Non, c'est les mêmes, mais c'est l'intérieur et les autocollants qui changent. Là, c'est un stage 5. Bah, l'intérieur, ça a l'air d'être le même. Non, c'est pas le même. Tu trouves que c'est pas le même? Regarde. Non. Bah, moi je trouve. Attends, mais t'as. Regarde. Attends. T'as pas... Déjà t'as. Alors, regarde. Ouais. T'as le volant, t'as le petit accoudoir comme ça, t'as un truc là, t'as l'écran là. Le volant, déjà, il faut qu'il change. Et attends, on va regarder lui, on va regarder. Hein. Et lui. Le volant, bah c'est le même jusqu'à. Ah non, attends, ouais, d'accord. Ok, c'est pas le même. Ok. C'est un stage 5 en fait, celui que je vais me prendre. Et lui, ah, c'est un stage 4. C'est pas le même. Mais l'écran, c'est peut-être un peu. C'est différent un peu. Ah ouais, d'accord, je vois. Oui, c'est pas le même. Ok, c'est vrai que c'est pas le même. Ok. Bah, ok, ouais, si tu veux, franchement. Et c'est un 660 qu'on prendrait? Ouais, mais même. En fait, c'est juste pour vendre notre stage 4 pour acheter un stage 5. Ouais. C'est tout. Bah, ok, moi, ça m'irait. Ça m'irait. On pourrait le faire. Justement, en plus, on peut le configurer autrement. On peut le changer de couleur. Si on veut une plaque. Parce que... Oh, Giro à l'aide, gros. Oh là là. Oh, nice. Les roues. Ah ouais, les roues. Ah ouais, on aura des vraies roues de traitement, gros. Ouais, oui, mec. Ah ouais. Ok. On peut lui mettre couleur blanc, couleur DDE, couleur black. Blanc. Couleur. C'est bizarre. Ah ouais. Couleur rouge. Black Buddy. En black, il a de black. En jaune blanc. Voilà. Ça c'est moche, ça c'est moche, ça fait très bizarre. Ouais, ouais, franchement, ok. Ah, ça c'est celui que j'avais conduit cet été là. Ah, c'était bizarre. Il avait, c'est un beaucoup plus vieux, hein. Il était pas comme ça, mais en gros, c'était pas un Ares, c'était un classe quand même. Il y avait la gueule d'une classe, mais il y avait les pneus bleus. Ah non, mais tu sais, t'as les classes Ares aussi. Hein. Ouais, non, mais c'était un comme ça, c'était un modèle beaucoup plus petit, mais en gros, il était comme ça. Ouais, les roues blanches, ouais, ouais, mais il y en a. Ah ouais, moi j'avais un classe qui avait les roues jaunes, t'imagines? Ah. Roues comme les jeunes nerfs. Comme ça? Ah non. Non, mais avec les couleurs ouais. des jeunes nerfs. Ok, ok. Non, mais bon, okay. C'était un Arion, toi. Et on le prendra en roue comment? Noir? Non, on prend en roue normal. Ah ouais. Normal.
Ok. Ouais. Ok, ok. Vas-y, on fera ça. On fera ça, on fera ça. Bon, bah, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce live. On aura fait un bon petit live. C'était grave cool. On aura fait 2h19. Un petit peu moins long d'habitude. Mais, bah, du coup, comme j'ai dit, abonnez-vous à la chaîne Star Mode. Ça nous fera grave plaisir. N'hésitez pas à aller checker aussi sur le site. Hein. Oh, il y en a qui font... Ah, mais il y en a qui font des photos sur le site. Il y en a qui... Vous irez voir les photos, les gars. Mais en tout cas, on vous réserve vraiment des nouveautés pour le prochain site. Là. Enfin, en gros, c'est toujours Star Mode, mais un peu plus beau. Regardez ce que les abonnés y mettent là, ils mettent des screens trop beaux. Ça c'est la map de la série là, des trois fermes. D'ailleurs n'hésitez pas, hein, vous allez sur mon profil, vous marquez Starvio, bam, mon profil au pire c'est en description, vous avez mon profil, il est là, bam Starvio. Vous descendez, vous avez les modes de la carte subis. Bon alors, par contre c'est pas à jour, les modes des trois fermes. La mienne aussi, la ma photo avec l'ancienne vitesse. Ah ouais, et du coup la map c'est, j'aimerais bien voir le nombre de DL qu'elle a la map. La map, elle est où? Elle est où? Pleine française. 11 762. C'est insane. C'est insane. C'est fou. Au reste, on a le nombre de vues, pas de DL. Mais c'est insane aussi. Ouais, c'est fou. D'ailleurs, ouais, je. Bon, on va pas vous le dire, mais. Non, on va pas vous le dire. Non, mais j'ai envie de dire, nous, bon, rentrons. C'est des vraies vues, quoi. Mais bon. Tu es mute, là? Non. Bon, d'accord. Bon, bah, les couilles. Bon, les gars, fais attention, l'Orient fait 300 chevaux, il va à 75 km/h. Ah, oui, d'accord. Oh, bah, impeccable. Trouver une légende. Ah, ouais. Vas-y, j'irai checker vos commentaires et tout. J'essaierai d'aller vous répondre sur le site tout de suite, là. Donc, tous sur Star Mode, les gars. Mais écoutez, merci d'avoir vu ce live. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Voilà, mine de rien, ça fait plaisir. Faut que j'arrête de dire mine de rien. Et un rendez-vous, vraiment. Star n'arrête pas. Si. Abonnez-vous à la chaîne Star Mode, je vous mettrai le lien. Il est dans la description de la vidéo. Donc, ceux qui s'en vont, partez vous abonner directement là. À la chaîne Star Mode, au moins ça c'est fait et c'est fait. Voilà. Donc les amis, bonne soirée à tous. C'était Starvo, comme j'ai dit, rendez-vous pas demain, rendez-vous jeudi. On va faire quelques tâches. Enfin, on va bien bosser sur la partie et ensuite fin de semaine, 3 fermes et ensuite peut-être chaîne Star Mode qui va commencer cette semaine. Les amis, la chaîne Star Mode va sûrement commencer. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura quelques vidéos, quelques lives. Si la map des, si la map All Stream Map sort. On va jouer dessus. J'ai envie de faire aussi des découvertes, des tests de mode. Merci Christophe, bonne soirée à toi. Ouais, t'inquiète pas. Je ferai des découvertes de mode aussi, de pas mal de petits packs sympas là. Ça, y a des, j'ai quelques idées. Zero aussi fera quelques idées, quelques vidéos sur la chaîne. Hugo, s'il a envie de faire quelques vidéos sur la chaîne aussi, il pourra. Donc voilà, la chaîne Star Mode sera pas mal alimentée et le site va être mis à jour là très bientôt. Donc d'ici deux semaines, j'ai envie de dire à peu près. D'ici deux semaines, le site va être mis à jour et rendez-vous absolument. Je vous le dis, notez-vous ça. Hein, mercredi. 16h sur YouTube, vous serez en vacances, vous aurez que ça à faire, j'espère. Vous bloquez votre mercredi après, mercredi soir. De 16h à 18h, on est en live, on sera en direct d'une concession. Bah, concession de New Holland, les gars, comme j'ai déjà fait des vidéos dessus. Il y aura pas mal de choses à faire et ça va être cool, quoi. Il y aura la team, il y aura des mecs de chez New Holland et tout. Il y aura Nicolas Morel que vous connaissez, qui. J'avais fait une vidéo, vous sur ma chaîne, vous marquez T8 Genesis. Il est où? Genesis, c'est celui-là. Vous allez sur ma chaîne là, bam, T8 Genesis, c'est celui-là. J'avais fait une petite vidéo. Je sais pas si vous avez vu la vidéo. Et en gros, il y a Nicolas Morel et il sera là. On va le faire jouer à farming et tout. Enfin, vous allez voir, on va faire aussi du farming. Vous allez dire, ouais, du farming aussi. Oui, il y aura du farming. Et en gros, c'est lui. J'espère que vous l'avez vu la vidéo. Du coup, c'est lui, ouais, Nicolas. Des appareils. Le petit détail qu'on a. Trop gentil, hein, vraiment super gentil ce gars. Et ouais, voilà. Et il y aura un T7 HD. Oh, bah, le même que dans. En gros, on va conduire exactement. Alors, peut-être. C'est un. Oh, quoi, attends, mais c'est celui-là en fait, T7 HD. On va conduire en gros ce tracteur là les amis. On va conduire ce tracteur là. Alors attends, je vais quitter la vidéo par contre. Donc ça va être à peu près le même qu'on va conduire. Donc avec la tablette, avec toutes les nouveautés, etc. Il y aura quelques modes et tout. Sauf qu'il sera en pneu route logiquement. Parce qu'on va faire quelques trucs sympas, vous verrez les gars. Ça va être plutôt cool. Bon allez, bonne soirée à tous les amis, c'était Starvio. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Merci. Merci vous d'être passé quand même. Ouais, c'est cool. Hein. Merci vous d'être passé, puis du coup, rendez-vous jeudi. Bonne soirée à tous les gars. Encore une fois, allez vous abonner à toutes les chaînes. Vous verrez, c'est trop de trucs qui se préparent. Et un vlog très bientôt aussi qui arrive. Je vais essayer le maximum. Le vlog Michelin va aussi arriver. Et il y aura aussi un vlog au CIMA. Au CIA. Donc rendez-vous aussi au CIMA. Au CIA, là, 26 et 27 février. Allez, bonne soirée à tous les Starvio. Bonne nuit et à jeudi. Allez, à plus les gars. À plus. Salut.